Bonjour, bonjour à tous, à vous que vous êtes déplacés dans notre temple, à vous que vous êtes ici dans l'école, dans l'estrade, mais aussi à vous que nous accompagnez à travers Internet. Je suis heureuse de vous accueillir. J'espère que cette semaine, même si elle était un peu difficile ou chargée, vous pouvez vraiment laisser tous les fardeaux de côté et commencer ces jours de louange, ces jours de bénédiction que Dieu a préparé pour nous. Je vous invite à préparer notre cœur, notre pensée dans la joie de pouvoir les louer à travers les hymnes, dans la joie de pouvoir les louer à travers nos prières, dans la joie de pouvoir partager ensemble entre frères et sœurs, la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever et commencer ce jour de sabbat à travers la louange. Oui, la joie, il faut une raison pour l'avoir. Nous avions vu samedi dernier que tous nous étions tout petits au départ, vraiment minuscules. Pendant 9 mois, nous avons grandi dans le ventre de maman sans qu'on s'en aperçoive. Il était là avec vous. Il était là avec tout le monde. Et vous pensez que si nous sortions du ventre de maman, il ne serait pas là avec nous après? Il est là avec nous. Et il y a une particularité par rapport à ça, c'est que quand maman porte bébé, elle devient une forteresse, elle devient une force inhumaine, elle devient un sanctuaire. C'est pour ça qu'on ne donne pas de médicaments. C'est pour ça qu'on... Il y a plein de choses qu'on ne fait pas, parce qu'elle est porteuse de vie. Vous êtes la vie. Vous êtes la vie. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes la vie. C'est pour ça qu'on l'adore. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons. Un jour
jour, avant de partir en exil pour laisser la place à la civilisation, la dernière reine de Madagascar a dit « Ne touchez pas à la forêt, prenez-en soin. C'est notre armée qui nous protège. Ne touchez pas à la forêt, prenez-en soin. C'est là qu'on va trouver tous les médicaments qui guérissent les maladies. Ne touchez pas à la forêt, prenez-en soin. Parce que sinon la pluie ne viendra pas à sa saison. Ne touchez pas à la forêt, prenez-en soin. Parce que si vous touchez, vous abîmez, vous aurez faim. Et le désert arrivera. Et elle avait raison. Le pays est maintenant au troisième rang des pays les plus pauvres. Oui, c'est le désert encore. Mais si on revient à Dieu, ça va refleurir. Ça va refleurir. Parce que c'est lui la vie. Comme une terre altérée. Venez à vos
Je vous invite à prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur parce que tu es la rosée qui est avec nous, parce que tu nous bénis, parce que tu nous accompagnes. Merci Seigneur parce que tu es notre Père. Merci parce que tu as prévu avant même de nous créer un plan de salut. Merci parce que tu es présente à chaque moment dans notre vie. Seigneur, en ce moment de l'étude de ta parole, on te demande de tout nos cœurs d'envoyer ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider dans l'étude de la parole. Reste pas seulement avec nous dans cette église, sinon à travers le monde, à tous ceux qui ouvrent ta parole et qui veulent te rencontrer. Guide à chacun de nous et de chaque personne qui le fait pour qu'il puisse te trouver, il puisse trouver la joie et la paix que seulement toi tu peux donner. Seigneur, reste avec nous dans ce matin et en chaque moment aussi de notre vie. On ne te le demande pas parce qu'on le mérite, sinon on te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On commence le dernier trimestre de l'année. Je dois être très honnête, les sujets de ce trimestre me touchent profondément. J'aime beaucoup me rappeler, revenir sur les sujets dans lesquels on peut, en première chose, savoir que c'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui a tout prévu. Et pas seulement qu'il nous cherche, qu'il est là, qu'il était, qu'il est et qu'il sera. Mais aussi qu'il me donne un objectif de vie. Je crois que chacun d'entre nous, si on n'a pas des objectifs, on peut le nord, comme on dit. Mais lui, il a tout prévu. Il nous a donné aussi un objectif. Cette semaine, c'est la première de toutes les études de trimestre. Il dit la mission de Dieu envers nous. Le temps qui reste va nous permettre de partager tout ce qu'on a lu. Je vous invite à vraiment à prendre le temps de pouvoir revoir, parce que ce sont des sujets que sûrement on a déjà lus, mais revoir quel amour Dieu a pour nous, qu'il a tout prévu et qu'il est toujours présent. Donc je laisse le temps qui reste pour les écoles du sabbat. On a l'école du sabbat dans l'estrade, sur Internet. J'imagine on a l'école du sabbat des profs. Oui, on a l'école du sabbat de Lisson, l'école du sabbat d'Étienne, l'école du sabbat d'Annie et l'école du sabbat malgache. Il ne faut pas non plus oublier qu'en théologie aussi, il y a l'école du sabbat de Jean-Claude de Requia et Richard Lehmann. Donc, je vous invite à une très bonne étude. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, chers internautes, bonjour. Nous sommes très heureux d'être ici ce matin pour réviser ensemble la leçon que nous avons étudiée durant cette semaine. Alors, je souhaite à tous mes amis qui nous regardent sur YouTube une cordiale bienvenue. Et espérons que ce moment que nous allons passer soit un moment fructueux pour apprendre plus de la parole de l'Éternel. Nous sommes sur l'estrade dans 6. On est avec nous notre frère bien-aimé Fred et notre frère bien-aimé Bernard, notre frère collègue Erwan, notre cher pasteur Florian et ainsi que notre frère Vincent. Donc, bienvenue et nous allons passer un beau moment ensemble. Merci beaucoup, Dieu grand, de nous avoir introduit et nous comptons aussi sur vous, les internautes, pour participer. Hein, en particulier, nous ferons une classe multiculturelle, une classe avec une part égale d'hommes et de femmes. C'est vrai que les agendas des uns et des autres fait que des fois je n'arrive pas toujours sur l'estrade à le faire. Mais vos interventions, elles, seront justement multiculturelles et autant les hommes que les femmes. Alors, je vous propose d'emblée
venir sur le thème de ce trimestre. Vous avez vu que le thème, c'est la mission de Dieu envers nous, enfin la mission de Dieu, ma mission. Et alors, c'est vrai que nous, on a l'habitude de vouloir commencer par les mots. Qu'est-ce que ça veut dire le mot mission, même si le questionnaire ne l'aborde pas spécifiquement. Et alors, déjà, essayons de nous mettre en lien avec nos contemporains. Si on parle à nos voisins du mot mission, à quoi vont-ils penser ? Il y a des tremblements de terre. Voilà, donc ça, c'est des missions, c'est des personnes qui vont dans un endroit où il y a un besoin. Ok, donc effectivement, certains vont penser mission humanitaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont venir ? Moi aussi, je voudrais évoquer une chose. Quand on parle de la mission, les gens ont tendance toujours de comprendre le fait d'accomplir une tâche, être envoyé pour accomplir une œuvre dans un endroit donné. Ouais, donc mission égale une tâche. Mm-hmm. Vous voyez ? Et vous, vous pensez que nos contemporains ils pensent à quoi avec ce mot mission ? Je pense aussi aux missions militaires. Missions militaires, oui. Et souvent, c'est des missions qui ne se passent pas sur le territoire français, elles se passent au loin. Ok. À l'étranger, dans les terres. Donc partir au loin. Oui. Oui. Et toi qui es notre deuxième ex-militaire, tu penses à ça aussi ? C'est ça. Personnellement, j'ai fait. Bon, la dernière était plus tranquille, c'était la Réunion. Mais après, j'ai été au Mali pendant 4 mois. On a eu un petit tir d'obus sur notre camp pour Noël, c'était sympa, petit feu d'artifice. Mais autrement, c'est la Guyane, et crapahuter en Guyane, c'est aussi quelque chose où il faut se donner dans la mission. Ok, donc tu t'es senti envoyé en mission, déjà. Hein ? Et toi, Florian ? Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de mission, il y a un but clairement défini, qui est simple, mesurable, atteignable. Ouais. Hein, on connaît ses objectifs SMART, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, il y a aussi, à mon sens, une notion de temporalité. C'est-à-dire que quand on est en mission humanitaire, quand on est en mission militaire, il y a à un moment donné, pour l'exécutant, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne part pas en opération, on ne part pas en mission pour X temps, pendant 20 ans, etc. Donc, je trouve qu'en tout cas, dans le message séculier, on va dire, on a cette notion de temporalité qui est vraiment importante. Ok, une temporalité, on laisse tout, on va à un endroit et c'est centré sur une tâche. Il y a une autre chose qui me vient à l'esprit, en fait, quand on parle de mission, c'est mission impossible. Exact. Et je dis pas ça juste pour sourire, c'est que, en fait, dans la mission en général, il faut s'attendre à quelque chose qui peut être difficile. Exact. Donc, une mission humanitaire, c'est pas forcément facile. Intervenir sur un séisme, c'est difficile, il y a des risques. Intervention militaire, il y a des risques. Donc, c'est pas toutes les missions qui sont risquées, mais dans l'inconscient, il y a quand même cette notion de danger et de quelque chose qui va pas être si simple, en fait. Sinon, ça serait, il n'y aurait pas besoin de mission, justement. Oui. Il y a aussi cette notion de don de soi. Quand on part en mission, on laisse pas une partie de notre corps quelque part. Même si on est toujours attaché à la maison, aux amis, à la famille. Mais quand on y va, il faut être concentré dessus. C'est vraiment un engagement à, même pas 100%, c'est à 200%. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Hein, et si on parle... Alors maintenant, dans l'Église, on a parlé dans la société, on parle beaucoup de mission, le terme mission dans l'Église, en 2021. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est là aussi, c'est encore intéressant, c'est que le mot « Église » vient avec le grec de « ekkaleo ». « Ekkaleo », c'est « appelé » et « ek », ce qui nous donne « ex ». C'est à l'extérieur. On est appelé à l'extérieur aussi. On n'est pas appelé à rester à l'intérieur. On est appelé à sortir aussi pour faire la mission. D'accord. Donc la notion d'appel et de sortir. Hein, et peut-être qu'on va plus vers le sens biblique d'ailleurs. Hein, oui. Je pense que quand on évoque le terme mission dans l'Église, il peut y avoir différentes réactions. Par exemple, des gens qui sont de culture chrétienne peuvent penser les croisades. Mm-hmm. Mission pas forcément joyeuse à rappeler au souvenir. Ça peut être aussi, en effet, des missions dans des pays, un peu comme militaires, mais dans des pays étrangers. Mmh. On pense rarement à la mission vis-à-vis de son voisin. Voilà, effectivement. Et dans des églises en Haïti, et plus précisément, je me rappelle quand j'étais petit,
Ma maman et son église a toujours planifié des moments de mission. Donc, ils ont planifié d'aller dans un lieu donné pour évangéliser. Oui. C'est-à-dire prêcher la parole de Dieu. Donc, on peut voir la mission dans ce sens-là au niveau ecclésial. Tout à fait. Mais quand j'étais petit aussi, on utilisait ta mission. Mais maintenant, je ne l'entends plus beaucoup. Mm-hmm. Hein? Et on peut se demander pourquoi. Je pense en fonction de ce que tu as dit. Parce que ça rappelle des souvenirs, peut-être. Oui, Frédéric. Oui, pour compléter ce que disait Dieu Grand, en fait, moi, quand j'entends mission dans l'église, j'entends finalement qui nous donne cette mission. Et c'est Jésus. Pour moi, c'est Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, c'est un appel. Donc, il y a quelqu'un qui nous envoie. Ce n'est pas juste, on va se promener comme ça et puis on fait n'importe quoi. Voilà, l'objectif a été fixé par Jésus. Mm-hmm. Amen. Alors, maintenant, ce mot « mission », d'où ça vient? Quelles sont ses origines? Est-ce qu'on le trouve dans la Bible? Dites-moi les versets. Alors, j'ai fait exprès de chercher. Le mot « mission », j'ai trouvé que deux fois dans l'Ancien Testament. Mm-hmm. Le ah mot « mission », vraiment. Mm-hmm. Après, il y a d'autres équivalents, mais ça vient du latin à la base. « mission », qui veut dire... Donc, missio en latin, qui veut dire action d'envoyer, qui vient d'un autre terme, qui veut dire vraiment envoyer. Mais on trouve l'équivalent, par contre, d'envoyer. On trouve apostello, qui a donné apôtre, qui veut dire vraiment ordonner un départ au loin. Voilà. Et bon, il y a d'autres termes peut-être que mes collègues pourront évoquer aussi. Voilà, vous êtes d'accord avec ça? Le mot mission en tant que tel n'existe pas dans la Bible, hein? Sauf peut-être ses équivalents en hébreu, que je ne connaissais pas. Mais on a le mot apostello, le mot d'envoi, hein, et cet équivalent-là. Et d'emblée, moi, je vois une différence entre ce que vous avez dit au début. Dans notre monde actuel, quand on pense mission, on pense à une tâche difficile où on doit se donner. Alors que dans la Bible, et le terme lui-même, c'est plutôt centré sur l'appel. Hein, et peut-être qui la personne envoie l'appel. Donc, ce n'est pas tout à fait la même perspective, me semble-t-il, entre les deux. Oui, et il y a un mot aussi qui est utilisé en hébreu, bien que ce mot a plusieurs sens, et a le sens renvoyer, congédier dans le fait de divorcer, mais si vous vous rappelez, quand Jézabel a envoyé un messager vers Élie, quand Élie a fait tuer les prophètes, c'était le mot chalar, envoyer, vers. Mm-hmm. C'est l'action d'envoyer, le mot mission selon hébreu, dans le texte de roi 1, verset 19, chapitre okay. 19. Alors effectivement, le mot d'envoyer, on va le trouver à de nombreux endroits dans la Bible, effectivement. Je veux dire quelque chose, oui? Et paradoxalement, ce n'est pas en tout cas ce que nous on entend comme étant la mission aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette mission que nous imaginons, que nous voyons dans la Bible, avec le grand mandat que Frédéric vient de citer, c'est vraiment autre chose. Y a vraiment cette notion d'envoi, mais d'envoyer pour avoir un message spécifique. Mmh. Et un message qui soit aussi actualisé, compris par ceux qui sont autour de nous. Alors, tu as soulevé tout à l'heure une question, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir y répondre, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des campagnes d'évangélisation, des efforts d'évangélisation comme on peut en avoir? Quand on était petit, on faisait ça. Alors moi, on n'était pas tout à fait petit en même temps. Nous, on ne l'a pas fait quand on était petit. Mais alors, voilà, ça va poser cette question-là. Je ne sais pas à quel moment, je ne veux pas te couper l'herbe sous le pied, mais il y a plein de questions soulevées là-dessus. Voilà, je pense que ça va être abordé dans le trimestre en particulier. J'espère bien. Mais si tu veux dire quelque chose déjà aujourd'hui, vas-y. Alors, je trouve très intéressant que, justement, cette mission, elle a beaucoup évolué aussi au travers du temps. Elle a évolué parce que la société a évolué et que le receveur... étant différent, pour transmettre le message, pour qu'il soit compréhensible, on a changé aussi l'approche pour pouvoir faire en sorte qu'il soit accessible. Dans un monde au Moyen-Âge, par exemple, où tout le monde est chrétien parce qu'ils doivent l'être, voilà, la mission n'avait pas beaucoup de sens, sinon que l'inquisition et de faire attention à ce que tout le monde le soit. Donc voilà, là, on est dans une mission aussi, mais une mission qui est... a peut-être oublié certains sens de tout cela. Donc un peu plus tard, on va voir que la société évolue, et donc pour transmettre et pour qu'elle soit reçue par cette société, il faut aussi que mon message il évolue pour pouvoir, enfin pas le fond du message, mais la forme, pour pouvoir transmettre à ceux qui sont là. Merci, donc l'appel n'a pas changé. Non. Mais les receveurs ont changé. Nous aussi, l'Église a changé d'ailleurs. Et voir, ça va être le thème de tout ce trimestre, voir comment on va... hein, entendre et répondre à l'appel. Alors, je vous avais vu qu'aujourd'hui, il est parlé de la démarche de mission de Dieu lui-même. Dieu est le missionnaire. Ça veut dire quoi?
parce qu'il n'a pas été appelé là, par contre. Comment vous comprenez cela ? Dieu qui peut être lui-même missionnaire. Comprends. C'est que le but de Dieu, c'était toujours de vivre auprès de l'être humain. Malheureusement, après que l'homme est déchu, tombé dans le péché, donc Dieu s'est envoyé lui-même pour aller à la rencontre de l'être humain déchu. Donc, c'est pourquoi on voit que Dieu, lui, il est le premier missionnaire dans la Bible. Donc, il est vrai qu'on connaît des grands prophètes, même Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas ces personnes-là qui sont les premiers missionnaires. Dans la Bible, le premier missionnaire, c'est Dieu lui-même. Donc, il va se manifester en envoyant d'autres personnes auprès des êtres humains, mais c'est lui qui est le missionnaire principal dans la Bible. Merci. Voilà, merci pour cette explication. Et je vous propose que d'emblée, nous allons maintenant dans le texte. Hein. Je crois qu'il était nécessaire de faire un peu une introduction par rapport au thème général. Donc, Dieu, le premier missionnaire, qui s'envoie lui-même, hein, pour reprendre tes termes. Est-ce que, par exemple, Erwan, tu accepterais de lire Genèse 3 les versets 6 à 10. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà, c'est vrai qu'on considère que dans la Bible, c'est là le premier geste missionnaire au niveau de la terre. Hein, au niveau du ciel, ça serait encore autre chose. Et moi, j'ai une première question. Qu'est-ce qui change après la désobéissance, hein, d'Adam et Ève? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se passe avant que Dieu intervienne pour, et on verra pourquoi il doit intervenir. La première chose qu'on nous dit, c'est que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, qu'ils se voient nus. Alors, a priori, pour la première fois, ils en ont cette connaissance-là. Ils goûtent à cette nudité. Mmh. Alors, est-ce que c'est la nudité physique qui les frappe le plus ? En tout cas, il y a certainement aussi cette nudité, ce dévoilement face aux yeux, notamment de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont s'en cacher. Mmh. Et ils, a priori, ne se sentent pas bien de cette nouvelle connaissance de leur état. Voilà, ouais. Donc on pourrait se demander justement qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot nudité, pas que physique, mais se sentir seul, tout nu devant Dieu. Petite chose intéressante, c'est que le mot nu a une résonance en hébreu avec un autre mot, qui est utilisé un peu plus tôt dans le verset, qui est le mot rusé. Satan se présente comme un serpent rusé, et juste avant on nous dit qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Et il y a une assonance là, c'est nu, c'est arumim, et rusé, c'est Arum. Qui a vraiment en fait la même base que peut-être là, la nudité qui n'était pas un problème au début devient quelque chose dont on est plus fier. Mmh. Ok, merci. Alors Erwan et après Florian. C'est la nudité, je pense plus qu'elle l'aide vraiment dans le comportement. Parce que c'est-à-dire que je peux avoir, si j'ai un bon comportement, tout le monde peut le savoir, ça gêne pas. Par contre, si je commence à faire des fautes, là, ça devient compliqué de dire. Ok, j'ai fait une faute, je l'assumer. Et des fois, on a tendance à vouloir la cacher. D'où l'intérêt de faire une ceinture avec des figuiers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand justement Dieu leur donne une nouvelle robe avec l'agneau, etc., enfin une nouvelle ceinture, eh bien, en fait, le texte ne le dit pas, mais c'est implicite, c'est qu'ils doivent aussi se délester de la ceinture de figuier, justement, pour pouvoir revêtir la justice de Dieu. Merci, effectivement. Hein, on voit les différentes étapes par lequel ils sont passés et par lequel, je pense, nous aurions tendance à passer lorsque nous sentons tout nus devant Dieu. Florian. Je crois que la nudité, elle n'a de sens qu'on la comprend que parce qu'il y a le regard de l'autre. Enfin, je veux dire, quand vous êtes tout seul dans votre appartement avec les volets fermés, vous pouvez vous balader tout nu, ça ne pose pas de problème. Il n'y a qu'à partir du moment où il y a le regard de l'autre et qu'il y a le relationnel qui se met en place,
qui va être problématique ou qui va vous impacter. Et donc, pour moi, c'est là où est la problématique. C'est pas la nudité. La nudité, elle exprime quelque chose d'une cassure qu'il y a entre la relation entre Dieu et l'homme. Ils étaient nus, ils s'en fichaient parce que ils n'avaient pas conscience du regard que pouvait avoir Dieu, qui aurait pu être déçu ou etc. Donc, c'est là où ça se joue sur le relationnel, pas sur la nudité. Ok, c'est très important. Sur Internet, on a Tamatoa qui complète ce que tu dis, Florian, en nous parlant du sentiment qu'a l'homme, en fait, un sentiment de honte. L'homme se cache et s'éloigne de Dieu. Donc, en fait, on a cette conscience, prise de conscience, et ce sentiment qui arrive à partir du péché. Merci. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on voit que quand toutes les choses s'en vont bien entre nous et Dieu, on n'a pas ce sentiment de honte, de déception, de la peur. Mais au moment où on commence à dévier le cheminement avec Dieu, on commence à éprouver ce sentiment de honte, de peur. Donc c'est ça qui m'interpelle au verset 10. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sentent honte et nus. Donc on voit que quand l'homme va dans un bon cheminement avec Dieu, ça va tout bien. Mais quand on commence à dévier le chemin avec Dieu, donc c'est la déception totale. Ok, donc nous nous sentons nus, c'est-à-dire que nous avons honte. Il y a une cassure relationnelle. Et à ce moment-là, nous allons nous faire des ceintures et nous aurons peur. Et là, c'est là que nous voyons le premier missionnaire sur la terre. Dieu, que pensez-vous de l'attitude de Dieu dans ce type de situation? Que fait-il? Comment fait-il? À la recherche. Il va à la recherche de l'homme et de la femme. Il va à la recherche. En fait, une démarche qui est extrêmement naturelle de la part de Dieu. C'est-à-dire que tous les jours, il va dans le jardin, il se promène et il rencontre Adam et Ève. Et là, il fait la même chose, en fait. Donc, grosso modo, il change quasi rien à son attitude. Il va, il se promène, et puis, normalement, il rencontre Adam et Ève. Là, il ne rencontre pas, il dit, mais où es-tu? Et donc, en fait, il n'est pas en train d'aller leur courir derrière à hurler ou à dire « Qu'est-ce que tu as fait ?» Donc, il n'est pas du tout en train de changer d'attitude. Il est dans cette même douceur et dans cette volonté d'avoir une relation, d'avoir un échange, une discussion. Donc, en fait, il les cherche pour leur parler, quoi, mais de façon assez naturelle. Donc, il veut leur parler et il ne change pas, ni d'attitude, ni de sentiment, si je comprends bien. Oui, une chose qui m'intéresse, c'est la question de Dieu. Où es-tu? Donc, je me pose la question, est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam et Ève? Bien sûr, il savait où était Adam et Ève. Dieu est omniscient, omniprésent, n'est-ce pas? Donc, poser la question, où es-tu? Et selon moi, je pense que c'est un moyen de permettre à l'homme de savoir son état, de savoir les conséquences de son acte. C'est-à-dire pour que l'homme puisse dire, se rassaisir pour dire non. Je suis tombé, je fais une chose qui n'est pas convenable à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, où es-tu? Donc, ils savaient où ils étaient, mais ils voulaient que l'homme se ressaisisse pour prendre conscience de ce qu'ils ont commis. Ok, donc il ne fait pas juste de se promener, il va commencer à poser des questions. Oui, il y a Florian. Pas mal de commentateurs juifs aussi qui lisent ce « où es-tu » dans cette notion d'un cri de douleur, d'un Dieu qui part touché par la situation de l'être humain, et ce qu'on va retrouver après dans la mission de Jésus, qui est touché par la condition humaine et par ce qu'il est en train de vivre. Et ça, je trouve ça très beau, parce que la mission, elle ne part pas là d'une mission triomphaliste, même si on met cette question-là que partageait Dieu Grand. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de partir en conquérant, mais en étant celui qui est touché par la situation de l'être humain à ce moment-là. Parce que là, Dieu, il aurait pu arriver en disant, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Une petite leçon de morale, ça n'aurait pas fait de mal. Nous, en tant que parents, on sait bien que quand il y a quelqu'un qui a fait une bêtise, quand notre enfant, on lui dit qu'il a mal fait. Là, ce Dieu-là, il ne vient pas comme ça. Il vient autrement. Et je trouve ça très beau, très doux de la part de Dieu, très pédagogue aussi de la part de Dieu, de venir et de dire... Je ne viens pas en triomphaliste, en conquérant, mais celui qui va transmettre quelque chose dans la douceur, même si tu as péché. D'où toutes sortes d'enseignements pour nous en tant qu'ayant une mission ou étant appelé à une mission. J'avais une petite idée derrière la tête aussi en disant cela, oui. Ok.
Erwan, Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ces trois questions de Dieu, justement? Où es-tu? Qui t'a appris que tu étais nu? Pourquoi as-tu fait cela? Ça évoque quoi pour vous? Moi, je vois un petit peu comme ce que disait Dieu Grand, c'est il pousse l'homme à la réflexion. Il pousse l'homme à se poser, à vivre ces questions-là et à donner du coup des réponses avant tout pour lui-même, pas pour enseigner Dieu, pour que l'homme puisse se dire « Ah, mais c'est vrai, pourquoi je suis là ?» Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Mettre des mots dessus et se rendre compte peut-être que Dieu qui le cherche n'est pas celui dont il devrait avoir peur. Et qu'il devrait comprendre pourquoi ils sont dans cet état-là et que ce n'est pas de sa faute à lui. Ok, merci. En fait, le fait de se poser des questions ou même de poser des questions, ce n'est pas juste une information qui est donnée. Il pourrait lui dire, bon écoute, t'as péché, là tu vas mal. Mais en fait, en pédagogie, quand on dit quelque chose, les personnes vont retenir seulement 10% de ce qu'on va dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va un peu plus loin, donc il y a dire, il y a démontrer, montrer, démontrer. Et derrière, en fait, on voit les étapes et on voit que quand on fait chercher, quand on pose une question et que la personne cherche par elle-même, elle retient 90%. Mm-hmm. Et du coup, là, c'est aussi justement une façon dont on peut voir encore aujourd'hui que quand on fait chercher, eh bien, les personnes vont aller beaucoup plus profondément dans leur réflexion et justement dans ce qu'ils vont retenir à la fin. Merci. Donc, on voit toute cette pédagogie, hein, en plus de cet amour et de cette humilité, hein, de Dieu quand il s'approche de l'homme et ce désir de rencontre. Une petite chose que je voudrais ajouter, non, dans le sens des pasteurs, futurs pasteurs, donc on voit et le processus de Dieu pour aller chercher l'homme, nous aussi dans la vie courante, ça peut arriver que quelqu'un a commis une bêtise. Donc ce n'est pas à nous d'aller en tant que juge pour juger la personne, mais il faut aller avec un esprit de missionnaire pour essayer de racheter cette personne, de le sauver, de le guider si c'est nécessaire dans le bon chemin. Ce n'est pas aller de juger, de le critiquer pour lui faire sentir un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas le but, ce n'est pas pour ça que Dieu nous appelle. C'est ça que je voulais ajouter. Merci. Alors, moi, je vous propose d'avancer et de voir un exemple de comment Dieu, toujours, est missionnaire avec... il y avait plusieurs passages proposés. J'ai pris celui avec Jacob. Hein, et donc, nous allons lire dans Genèse 28, les versets 10 à 11. 10 à 22. Alors, je ne sais pas si... Frédéric, tu as ? Oui. Genèse 28, versets 10 à 22. Mais Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il arriva en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc une des pierres du lieu et fit son chevet et se coucha en ce lieu-là. Alors il eut un songe. Et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, où tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je n'en savais rien. » Et il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Et il l'appela à ce lieu-là Bethel, maison de Dieu, tandis qu'auparavant la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais et me donne du pain pour manger et des habits pour me vêtir et que je retourne en paix à la maison de mon père,
l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. Merci beaucoup. Donc, on sait que dans la vie de Jacob, il y a des moments un peu clés. Hein, ça, c'en est un. Un autre moment clé, ce sera plus tard lorsqu'il se bat contre un ange aussi, un envoyé, un missionnaire d'ailleurs, à ce moment-là. Quelle est la situation de Jacob à ce passage, à cette étape-là de sa vie? Il est fuyard. Il fuit, oui. Donc, voilà. Donc, Adam et Ève, eux, ils se cachaient. Hein. Là, c'est un fuyard que nous avons avec nous. Et tu veux expliquer pourquoi? Donc, vous savez bien l'histoire qui a été passée précédemment quand Jacob a pris donc, la bénédiction qui a été réservée pour son frère Ésaü. Donc, quand son frère était fâché contre lui, elle voulait le tuer. Donc, il était obligé de laisser le lieu par l'aide de sa maman pour aller s'enfuir de son frère Ésaü qui le voulait tuer. Donc, on a devant nous un menteur, un malhonnête et un peureux. Hein? Et puis, voilà, que fait Dieu hein, en tant que missionnaire face à cet homme-là, que je suis parfois? Il lui fait une belle leçon de morale. Alors, vas-y, explique-nous la leçon de morale de Dieu. Non, encore une fois, c'est drôle parce que trop de fois, on se retrouve avec ces situations où on fait la morale plutôt que d'accompagner et d'aider. Et là, en l'occurrence, c'est très beau parce que ce Dieu-là, au moment où Jacob fuit pour sa vie, mais fuit aussi tout un tas de situations dans lesquelles il s'est bien mis tout seul. Alors, aidé par sa mère, bien entendu, mais quand même. Et c'est ce moment-là où Dieu se manifeste à lui et lui renouvelle les promesses de ses aînés. Je trouve ça beau. C'est-à-dire qu'au moment où on pourrait se dire, nous, en tant qu'êtres humains, se positionner en juge, comme tu disais, Dieu grand, ben, Dieu, lui, il ne se positionne pas en juge, il pourrait le faire, mais comme celui qui accompagne. Je trouve ça interpellant. C'est ça, ok, donc en fait, il ne parle même pas de ce qui s'est passé, il rappelle les promesses. C'est intéressant, sur Internet, il y a Germaine qui nous dit « Dieu cherche encore une fois sa créature ». Ok, effectivement. Dieu à la recherche de l'homme, de l'être humain. Je vois aussi qu'il y a une révélation beaucoup plus large. On est dans une partie de la Genèse où il y a eu tellement de drames depuis le péché que Dieu, depuis Abraham, commence à essayer de restaurer quelque chose. Et là, il va encore une fois rentrer dans cette dynamique d'alliance qu'il veut faire avec l'humanité, de promesses, comme disait Florian, et il va donner à Jacob, qui a peur, qui est dans un lieu désolé, qui a quitté tout son passé, qui a fui son passé, il donne un rêve beaucoup plus large que sa situation. Il lui parle de cette échelle avec des anges qui viennent et dont Dieu est au sommet. Je trouve que c'est vraiment un appel à l'humanité de montrer comment Dieu est connecté à la terre et qu'il l'a en objet précieux et que par cette descendance, Abraham, Isaac, Jacob, il veut être en bénédiction, il le dit, à toutes les familles de la terre. Donc je pense que là aussi, Dieu se révèle au-delà de notre situation personnelle. Il la prend en compte, mais il va au-delà parce qu'il veut toucher l'humanité. Tout à fait. Donc il rappelle, comme a dit Florian, mais il donne encore plus de révélations. Même si la révélation était quand même donnée à Abraham, il y avait déjà cette notion-là hein, qui était donnée. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est juste un tout petit détail qui m'a interpellé. J'ai peut-être plus de questions que de réponses, mais on peut les partager. C'est cette mention de Haran, du lieu où est-ce qu'il va. Et je trouve ça très intéressant parce que quand vous regardez l'histoire globale de Haran, c'est le lieu où avec son père, Abraham est parti de Ur en Chaldée et a atterri à Haran. Haran, c'est un nom qui est en jeu de mots avec le frère d'Abraham qui est mort et qui s'appelle Haran aussi. Et le père, Terah, d'Abraham, s'est arrêté à Haran, la ville qui porte le même nom que son fils mort, et il est resté là. Et c'est un lieu pour finir. Vous voyez, dans la généalogie, dans Genèse 11, on va retrouver exactement ce lieu où on va... C'est un lieu de mort, presque. C'est un lieu stérile. C'est un lieu où on s'est arrêté dans un voyage qui devait continuer. Et je trouve ça super intéressant parce que
Jacob est en train de se diriger vers là-bas. Le texte nous mentionne cela. Et Dieu, il dit, mais je me révèle à toi, justement, sur ce chemin-là, de, où tu vas revenir. Alors, il va aller, bien sûr, jusqu'à Haran, mais il va en revenir béni, puisqu'il va avoir une famille, il va pouvoir fonder une famille. Voilà, je trouve que cette mention-là, elle est super intéressante. Sur ce chemin difficile de mort, il y a un Dieu qui se révèle à toi. C'est vrai. Il ne fait pas la morale, il fait des promesses. Hein, quel type de promesses fait-il ? Ah oui, C'est intéressant, juste dans la continuité de ce que dit Florian, tu parles de chemin vers la mort, et on a Jenny qui nous dit, il a peur de mourir. Voilà, il a peur de mourir. Il y a Alm aussi qui nous dit, il a peur. Ce qui est intéressant aussi, c'est la réponse de Dieu face à cette peur. Finalement, que répond Dieu ? Dieu répond que je donnerai cette terre à toi et à ta postérité. Mm-hmm. Donc il y a une réponse finalement qui est quand même plutôt rassurante, quoi. Qui est une réponse qui lui dit qu'il y a un futur, il y a un avenir, que c'est pas la fin en fait. Ok, donc une révélation qui s'élargit, mais aussi un futur plus matériel et spirituel qui s'élargit aussi, hein, alors qu'il est sur un chemin de mort. Hein, intéressant tout cela. Vincent. Une toute petite chose, je remarque que Abraham, du coup, est parti de Haran lui-même, puisque son père s'était arrêté là. Le texte nous dit qu'il devait aller jusqu'à Canaan, mais il s'est arrêté à Haran. Il y a des gens qui meurent là, le père notamment, le fils, tout ça. Mais Abraham lui repart. Et Jacob va faire ce chemin inverse, comme s'il devait aussi repartir pour refaire ce chemin que Abraham avait fait avec Dieu. Et c'est peut-être aussi un appel plus large à l'humanité à revenir aussi dans ses voies de Dieu, là où il bénit le chemin. Donc on doit refaire effectivement des chemins. Ouais. C'est intéressant. Il y a une chose que je voudrais dire, et ce n'est pas pour justifier le péché, parce que vous savez très bien la cause de la fuite de Jacob. Mais vous voyez, par rapport au verset 13 et 14, quand Dieu dit « ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, etc. », on voit que même lorsqu'on est tombé, Dieu peut restaurer notre vie. Dieu peut nous donner une seconde opportunité. Malgré qu'il a menti, donc il s'enfuit de son frère pour éviter la mort, mais malgré ça, Dieu vient à lui pour lui donner une seconde opportunité. Et c'est comme à nous aussi, Dieu, toujours, il va nous donner une seconde opportunité, même si nous sommes tombés dans le mal, dans le péché, dans les erreurs. Merci. Et pour cette... En plus, Jacob, il aura besoin de plus que deux essais, hein, apparemment, parce qu'il y a d'autres histoires derrière. Continuez à lire, vous verrez que c'est fait de rebondissements. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu es en train de dire, excuse-moi, hein, mais c'est que au moment où il y a cette... Je parlais tout à l'heure de relation. Il y a une relation qui est coupée, qui est cassée à cause de cette nudité dans le premier passage. Là aussi, il y a une relation qui n'est pas construite encore. Et je trouve ça génial que Dieu, au moment où il y a cette cassure, son premier réflexe, c'est de renouer le contact, de reconstruire cette relation. Et souvent, on se dit reconstruire sa propre vie, mais j'ai envie de dire, c'est une chose, mais ce que Dieu souhaite, c'est d'être au centre de notre vie, d'être avec nous, de créer ce lien, cette relation qui me permet d'avoir confiance et qui me permet de reconstruire, de me reconstruire. Et je crois que c'est vraiment ça au centre. En tout cas, moi, c'est ce que ma lecture de la Bible et ma lecture de ces passages-là, c'est que c'est un livre qui est relationnel. C'est dans une relation qu'on va pouvoir reconstruire avec Dieu, reconstruire avec les autres, quand on va être en bonne entente avec les autres, qu'on va pouvoir se construire. Merci. Que pensez-vous de la réaction de Jacob ? Je ne sais pas si Erwan, tu veux nous dire comment tu ressens la réaction de Jacob face à ce que Dieu lui propose au niveau relationnel, justement. Moi, ce qui me marque là-dedans à chaque fois, c'est le verset qui est un peu plus 12 ou 13, 12, il me semble. Et non, pardon, 13. Et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac ». Du coup, il ne dit pas « Je suis ton Dieu ». Et ça, c'est aussi intéressant. Oui, alors, vas-y, qu'est-ce que ça t'apporte, cette notion-là ? En fait, il faut que mon Dieu soit le Dieu des autres. Mais après, c'est pareil, on parle beaucoup de relations, et je pense que c'est aussi une des choses. Des fois, on peut arriver en tant que juge.
et on n'arrive pas. Et le but, c'est que la mission n'est pas facile dans le sens où elle nous demande de sortir quand même de notre zone de confort. Mmh. Elle nous demande de prendre du recul, elle nous demande qu'on ne suive pas notre propre instinct et qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse prier justement et se dire « Attends, moi j'ai envie de faire ça, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire ?» Je pense que c'est dans le côté pragmatique, aujourd'hui, ça qu'il faut avoir un peu à cœur, de se dire « Attends, si je fais ça comme ça, comment on va prendre la personne ?» Comment... Des fois, on va faire des choses qu'on pense bien et au final, on va être maladroit parce que justement, ce n'est pas le temps non plus pour la personne. Et c'est... le but n'est pas de dire « Dieu est là, Dieu va venir, il va juger la terre et voilà. » Non, c'est justement de ramener les personnes justement sur ce chemin de vie et de leur dire « Écoutez, comment tu vas ? Est-ce que toi, tu as besoin de quelque chose et est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Et à partir de ce moment-là, c'est aussi conseiller à la personne si elle accepte les conseils, mais toujours montrer sa présence à l'autre. Merci. Pour aller dans la suite de cette pensée et de cette question, Jacob, il s'efforce de faire confiance, de rentrer dans ce plan-là. Et du coup, il va plus loin parce que, comme Erwan l'a souligné, ce n'est pas son Dieu jusque-là. Et quand je prends le verset 21, par exemple, il met à l'épreuve cette promesse de Dieu. Il dit, OK, on va essayer de faire ça. Il dit, et si je retourne en paix à la maison de mon père, en quittant Beersheba, je ne pense pas qu'il avait l'idée de retourner. Mais là, il dit peut-être que, bon, si l'Éternel me dit que je te ramènerai, peut-être que je reviendrai du coup. Alors, si je reviens, alors l'Éternel sera mon Dieu. Je trouve ça très beau parce que du coup, il dit, OK, c'est une révélation extraordinaire. Je vais saisir au mot cette révélation-là. Je vais essayer de rentrer dans ces promesses-là et de mettre dans ce cheminement que Dieu veut que je fasse et le prendre en effet, après l'avoir goûté, comme il était bon, le prendre pour mon Dieu. Ok, donc on est passé du Dieu des pères à mon Dieu. Et ce qui est intéressant, le verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et ça veut dire qu'en fait, quand on compare dans la Bible, le sommeil, c'est la mort. C'est-à-dire que quand il a rencontré Dieu, c'était dans entre guillemets, un état de mort. Et là, il s'éveille. Et parce qu'il a rencontré Dieu, je sens. Mais quand il s'éveille, c'est-à-dire qu'il redevient vivant réellement. Il s'est couché en ayant peur, en se sentant seul, en se sentant coupable. Et là, il s'éveille autrement, à la suite de cette rencontre. Ouais, juste pour ajouter une petite chose, parce que j'ai bien apprécié ce que mon collègue Vincent a dit. Effectivement, parce qu'on voit ici, le salut est personnel. Ça pourrait être que Jéhovah est le Dieu de mon père. Ça pourrait être qu'il est le Dieu de mon père, il n'est pas mon Dieu. Donc, on voit ici, donc, Jacob, il dit non, si tu fais ça, ça, ça pour moi, alors c'est là que tu seras mon Dieu. C'est là que je veux faire ma propre expérience avec toi pour te prendre comme étant mon Dieu. C'est très beau. Merci Frédéric. Ouais, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est pas simplement parce que je suis trésorier de l'église, mais c'est qu'au dernier verset, il dit « Et cette pierre que j'ai dressée sera en monument sera maison de Dieu, et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Quand même surprenant, quoi. Hein, pourquoi il parle de dîme ? Et en fait, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il est en train finalement de parler de son propre engagement envers Dieu. Parce que Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Et donc, finalement, la réponse de Jacob, c'est pas simplement de dire, OK, super. Il dit, oui, super. Mais en plus de ça, finalement, moi aussi, je vais faire ma part et je vais accepter de renouer cette relation avec toi. Et la façon dont je vais pouvoir le témoigner, c'est au travers la dîme. Intéressant. Okay. Effectivement, on arrive après dans des choses concrètes, un peu comme Dieu a fait aussi avec Adam et Ève. Après, il y a eu des choses concrètes dans ce que Dieu a ajouté à Adam et Ève. Mais il a commencé par ce relationnel. Alors, Dieu grand, tu veux citer un de nos internautes. C'était une sœur qui a dit une chose qui m'interpelle beaucoup. Il a dit que quand Jacob a fui pour son frère Ésaü, il a perdu beaucoup de choses. Il a perdu sa relation avec sa maman et sa relation avec son frère. Donc, elle a essayé de montrer que des fois, quand on fait des choses, il est vrai que Dieu va nous rassurer, mais on perd en quelque sorte quelque chose de très important pour nous. Je n'ai pas vu le nom de la sœur. OK, merci. Merci beaucoup. Et effectivement, n'hésitez pas à faire intervenir les internautes. On vous donnera la priorité par rapport à cela. Alors, je vous propose d'aller à un troisième et dernier texte qui est dans Jean 1, versets 14 à 18. Hein, on pourrait dire le missionnaire par excellence. Et puis, je demande à toi, Vincent, si tu veux bien le lire. Avec plaisir. Jean 1, versets 14 à 18.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Merci. Alors là, on fait un grand bond en avant, dans le temps, dans l'histoire et dans la révélation aussi. Comment pourrons-nous, en quoi pouvons-nous dire que cette démarche-là, c'est une démarche missionnaire ? Jésus vient pour révéler quelque chose. Donc, il vient du Père, on nous dit, pour une tâche particulière. Donc, envoyé du Père, donc missio, hein, pour une tâche particulière. Florian. Il y a aussi toute la notion d'incarnation. Hein ? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du blabla, de la théorie, de l'absolu, mais vraiment quelque chose qui est vécu, qui est visible, qui est incarné. Et je trouve ça très beau parce que on nous parle de la parole qui est créatrice de quelque chose, là, en tout cas dans ce texte-là, mm-hmm. qui fait écho justement à la création au début de Genèse. Donc je crois que là, la mission qui a été proposée par Dieu en son Fils Jésus-Christ est celle d'incarner un message, de le vivre pleinement. Et je trouve très beau qu'on puisse le dire aussi dans notre langue française. On incarne un message, c'est-à-dire qu'on l'a tellement intégré en nous qu'on le reflète ou qu'on l'irradie autour de nous. Ça n'empêche pas qu'on peut en parler, hein, et qu'il y a ces deux aspects, parler et refléter. Mais ce n'est pas juste du blabla. Et je trouve ça important. Donc Dieu se mouille la chemise, il agit et oui, c'est du concret, ouais. Mais c'est un message qui est concret. Et toi, Erwan ? Mais justement, là-dedans, il faut aussi que la parole soit en nous pour que nous puissions aussi nous associer à ce verset et dire que nous sommes aussi la parole incarnée en chair. Et en fait, la mission, quand on voit le Christ n'a pas forcément fait 100% de réussite. Il n'a pas fait 100% de réussite. Et c'est là aussi où il faut que nous ayons de la persévérance, dans le sens où peut-être que j'aurai un nom, mais ce n'est pas forcément un nom définitif. Peut-être que plus tard, ce sera un oui, mais c'est aussi de la persévérance. Oser faire pour apprendre, justement, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais dans notre mission de tous les jours, c'est accepter aussi de pouvoir, justement, face à Dieu, nous mettre à nu pour reprendre un peu la Genèse. Et de se dire, OK, j'ai pas bien fait. Maintenant, il faut que j'apprenne à faire mieux. Mais c'est qu'en faisant, c'est qu'en maçonnant qu'on devient maçon. Donc il faut faire, il faut persévérer. Et ce n'est pas forcément facile tous les jours. Mais voilà, le Christ, encore une fois, n'a pas fait 100% de réussite. Et nous, il ne faut pas qu'on s'arrête à un échec non plus. Ok, tu nous poses une question. Jésus a-t-il accompli sa mission à 100% ou pas, même s'il n'avait pas 100% de réussite ? À vous. Oui, il y a une chose qui m'intéresse. C'est la bonne volonté et le désir immense de Dieu d'être toujours avec les humains. Au commencement, il voyait l'homme face à face. L'homme est tombé, il s'est révélé au prophète pour être toujours avec les hommes, plus précisément à Moïse, en construisant le sanctuaire, là où il était au milieu du peuple. Et après, il s'est révélé en Jésus-Christ pour être avec les hommes. Ça, c'est la bonne volonté de Dieu qui m'intéresse dans le chapitre 1, surtout le verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Donc, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation de l'amour de Dieu qui a voulu toujours être avec les hommes. Okay, merci. Ta question, c'était en quoi ce texte annonce la mission de Dieu. En fait, c'est Jean qui nous donne la réponse hein, dans le verset 16 et 17. 17, il nous dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Apporter la grâce et la vérité. Dans un monde, finalement, où la grâce, enfin, la loi était appliquée d'une façon tellement... qui s'éloignait de la vérité, on va dire, et qui n'était pas pleine de grâce telle que Jésus a pu la révéler.
Alors, pendant ces trois ans et demi de ministère de Jésus, qu'avons-nous appris sur Dieu qu'il n'avait pas été encore révélé jusqu'à présent? Un Dieu qui compatit avec les douleurs des hommes, un Dieu qui est aimant, qui est un Dieu d'amour, qui est là toujours à côté des hommes pour le guérir, pour le soulager. Donc c'est ça que je vois dans la venue de Jésus-Christ sur la terre, dans sa mission. Ok, donc un Dieu toujours présent pour soulager et guérir. Mm-hmm. Une vie de sacrifice. De sacrifice. Quand on a ce verset qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », en fait, en grec, on a « tsoé », tsoé qui veut dire la vie, comme la vie d'un animal ou autre. Mais là, ce n'est pas « tsoé » qui est dit, qui est mis en avant, c'est « psouké ». Et du coup, c'est-à-dire l'entièreté. Généralement, ça peut être traduit par « âme ». Et il n'est pas juste... Quand on reprend même le chemin de la croix, c'est pas juste « on l'a mis sur la croix et puis c'est tout ». Il nous a donné un exemple où des fois, il était fatigué, où il avait envie d'être seul, juste de prier, de pouvoir se reposer, dormir. Et non, il a quand même accepté de sacrifier même son sommeil. Il a accepté de ne pas manger, il a jeûné. Parce que les autres avaient besoin, donc il a fait passer les autres en avant. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas non plus. Donc il faut aussi avoir de l'énergie, il faut nous avoir de la ressource. Mais derrière, il a eu quand même cette vie de sacrifice à se dire « je ne vis pas pour moi, mais je vis pour les autres ». Ok, donc c'est vrai que c'est quelque chose de plus. Avant, c'était l'homme devait apporter un sacrifice. Et là, Jésus, ben, c'est Dieu lui-même qui se sacrifie. C'est peut-être une étape de plus dans la révélation. Merci. Et grâce à son sacrifice, on peut aussi vivre cette vie de sacrifice. Après, la question est, est-ce qu'on accepte de la vivre? Oui, ça continue. D'autres choses que vous voyez, ce que Jésus, pour vous, a révélé sur Dieu dans ces 3 ans et demi? Pour moi, c'est surtout un rappel, parce que c'est ça qui est drôle, c'est qu'on l'avait bien compris. Il y a une expérience qu'on fait toujours quand on est à la jeunesse, où on fait les caps avec la boussole. Mmh. Et donc, vous vous amusez à tirer un cap, et puis au bout d'un moment, il y a un obstacle. Et cet obstacle, il faut faire de la trigonométrie, ou en tout cas des calculs en mathématiques pour retrouver les angles et pour faire des calculs pour éviter cet obstacle-là. Sauf qu'au bout d'un moment, on se plante, on oublie le nombre de pas qu'on a fait dans un sens, puis dans l'autre, etc. Donc, au bout d'un moment, le cap, il dévie au fur et à mesure. Et ce qui fait qu'on ne tombe pas là où on devrait tomber. Et je trouve ça intéressant, parce que Jésus est en train de dire, vous avez rencontré des obstacles dans la vie d'Israël, dans la vie spirituelle, et il y a un moment donné où je suis obligé de réorienter un petit peu les choses, revenir au cap initial, parce que vous avez dévié, en fait. Parce que vous avez oublié certaines choses. Et je crois que là, Jésus, en se révélant, en étant, ce que tu disais, Frédéric, de l'ordre de la grâce, de l'ordre de la vérité, et non pas du juge qui est inquisiteur et qui te regarde de travers, eh bien, on est en train de remettre un nouveau cap, de redire, bon, la boussole, le nord, il avait un peu, il avait perdu un petit peu de sa sensibilité. Maintenant, on va aller dans le bon cap. Ok, il représente le vrai cap. Encore une fois. Et à nous, sur Internet, continue dans le sens de ce que tu dis, et en nous disant que finalement, le but de Dieu est de nous faire vivre. Ok, merci. Merci. Et toi, Vincent? Je vais peut-être aller un peu dans le même sens. Moi, ce qui me parle vraiment, c'est la persévérance de Dieu, et mais vraiment aller encore toujours plus loin pour l'humanité. Parce que, bon, là, on est parti de la Genèse, on n'a pas fait tout ce qui est au milieu, mais on voit qu'il y a une continuité où il envoie des prophètes, il se révèle de plus en plus précisément, etc. Et là, il vient carrément s'incarner. Et ça m'a vraiment touché ce sur quoi tu as mis le doigt, Florian, c'est que là, il vient pas seulement parler de l'extérieur, il vient vivre ce que nous vivons, nous montrer comment ça se passe quand lui-même est dans notre chair, avec nos faiblesses, avec nos défis, nos difficultés, nos excuses quelque part. Mais il vient aussi apporter, c'est pour ça que je vois qu'il y a une intensité dans cette révélation-là, une capacité. En plus, vraiment, parce qu'il nous dit que c'est lui qui l'a fait connaître. Ce que je comprends, c'est que sans lui, ce n'était pas possible de le connaître vraiment. Il y avait la théorie, il y avait ce qu'il avait révélé avant, mais là, c'est une manifestation de Dieu sur la terre, et avec un tel amour, un tel don, une telle envie d'être avec l'humain, comme disait Dieu grand, moi, ça me touche énormément. Je me dis, wow, Jésus est venu montrer à quel point Dieu nous aime et jusqu'où il veut aller pour nous. Merci. Alors, il nous reste 5 minutes et j'aurais voulu, en ce début de trimestre,
s'arrêter sur une anecdote que nous avons dans l'introduction générale. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Hein, il est parlé qu'il y a un grand marécage où il y a des gens qui s'enfoncent, qui sont en train de mourir, qui n'arrivent pas à en sortir de ce marécage. Et à côté, sur la terre ferme, eh bien, il y a des réunions qui se font pour essayer de comprendre comment aider les personnes, hein, avec ce risque, hein, de beaucoup parler, de beaucoup étudier les stratégies et puis de s'arrêter là. Hein. Comment réagissez-vous par rapport à cette anecdote-là et qu'est-ce qui va être important durant ce trimestre pour ne pas parler sur la mission et puis rester là sur notre estrade? Mais disons que c'est intéressant de réfléchir avant d'agir. Forcément, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas agir n'importe comment, parce que si on fait n'importe quoi sans réfléchir, ça mène nulle part. Après, si on commence à trop réfléchir, à procrastiner, à essayer de tout chercher dans tous les sens, on n'est plus dirigé vers l'action. Donc à un moment donné, il faut accepter de prendre un risque, en fait, hein, et de se dire, allons-y, et on verra ce qui va se passer, et Dieu sera avec moi, en fait. Voilà, à un moment donné, il faut trouver l'équilibre entre la réflexion et l'action. Réflexion, action et le fait de savoir prendre le risque. D'autres réactions par rapport à cette anecdote? Vas-y, Florian. Elle est un peu culpabilisante aussi. Hein. moi, j'avoue que je réagis tout de suite en disant c'est un peu biaisé parce que ça ne fait écho vers nous d'une peur, en fait, de ne pas sauver des gens. Ouais. Je trouve que là, l'urgence qui est développée dans cette image peut être biaisée ou biaiser notre raisonnement. Je trouve que c'est important aussi, quand il y a, comme tu disais, quand il y a une situation compliquée, de bien réfléchir. On ne sort pas quelqu'un d'un marécage. Je prends l'image d'un noyé. On ne sort pas un noyé simplement en nageant vers lui et en essayant de le sauver. Il y a quand même des techniques et ça, c'est important de les apprendre. Donc, je crois aussi que c'est important de pas partir bien en tête sans avoir réfléchi à qui on a en face de nous. Merci. J'aime bien ces équilibres qui se font. Et toi, Herman? Mais justement, c'est là tout le paradigme, je veux dire. C'est que, en fait, pour aller sauver quelqu'un, effectivement, chaque personne déjà va réagir différemment. Moi, j'ai fréquenté des personnes, justement, qui étaient sauveteurs en mer. Et effectivement, il y a des techniques, hein, comme le disait Florian. Et le tout, c'est d'y aller aussi, nous, avec sécurité. Mais il faut quand même y aller. Mais après, c'est pareil, on peut pas non plus rester sur le bord en train de se dire, bon, écoutez, pendant qu'ils sont en train de se noyer ou autre, bon, on va sauver, on fait comment? Et puis, limite, des fois, presque à chercher des excuses. Hein. Attends, on va pas y aller parce que si on fait une bêtise, voilà. Et puis, au final, les gens, aujourd'hui, autour de nous, il y a peut-être des personnes qui auraient pu connaître Dieu, qui auraient pu avoir une vie soulagée, mais parce qu'on n'est pas allé, les personnes ont fini comme elles ont fini, malheureusement. Le tout, et encore une fois, on revient sur le relationnel. C'est-à-dire que concrètement, dans notre relationnel, on va pouvoir aborder les gens tranquillement. Et puis, peut-être que la personne va être mal lunée une journée. Et puis, peut-être que le lendemain, elle va s'excuser. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis après, on parle et puis on avance petit à petit. Mais j'arrive pas en train de dire « Ah, Jésus est là, il va te sauver ». Non, je crée d'abord une relation de confiance. Moi, je dirais à mon propre enfant, de toute façon, de ne pas suivre un inconnu. Donc, pourquoi moi, j'inviterais les gens à me suivre si pour eux, je suis un inconnu? Mais dans cette idée de sauver dans ce marécage, effectivement, j'y vais au moins avec une corde, avec des personnes qui peuvent, moi, me tirer aussi de l'extérieur. D'où aussi cet aspect de communauté qui est aussi important, de ne pas y aller tout seul, mais d'avoir des gens qui puissent aussi conseiller et autres. Peut-être que, en reprenant l'exemple tu disais par rapport à la géographie, etc., d'avoir un point fixe, peut-être que moi, je vais être dans la boue, et peut-être que dans la boue, je vais m'y enfoncer peut-être un peu, peut-être que je vais réussir à sortir, mais peut-être que je vais juste entendre, je ne vais pas pouvoir voir, mais peut-être que je vais entendre à ce moment-là, va à gauche, va à droite. C'est aussi une possibilité. Et c'est là où c'est intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de facile. Et peut-être que la personne va accepter de l'aide et va me tendre la main aussi, du coup, ce sera beaucoup plus facile. Mais peut-être que je vais devoir aller derrière elle et la tirer pour qu'elle sorte. Donc, c'est tout un chacun. Donc, savoir prendre le risque, comme a dit Frédéric, mais après réflexion et à plusieurs. Ouais. Hein? Toi, Vincent? Moi, je reviendrai surtout au fait que c'est un appel qui vient d'en haut, c'est lui qui nous appelle à y aller. Donc on n'est pas seul dans une salle de réunion avec nos propres forces, nos réflexions. C'est Dieu qui nous dit, va,
Donc je me dis, ah mais si c'est toi qui m'envoies, ça va, je sais que tu seras avec moi comme tu as été avec Jacob, je sais que tu vas m'accompagner, que tu vas me donner. Après, va, ça ne va pas dire, bon alors je vais dans n'importe quel supermarché, je prends n'importe quelle personne. On a des relations autour de nous qui nous sont précieuses. Si ça vit en nous, cette foi, si cet amour de Jésus, de Dieu nous parle, je pense que ça va sortir. Et qu'on aura même envie que l'autre sache à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire, l'amour de Dieu envers nous et donc envers elle, envers cette personne-là aussi. Il nous rappelle que le mot mission, c'est d'abord appel, hein, avant une tâche. C'est lui qui nous envoie. Et toi ouais. Ce que je vois moi-même, et nous savons que notre église doit être une église missionnelle. C'est-à-dire l'ADN de notre église doit être la mission. Cependant, je vois qu'on est plus des théoriciens que praticiens. On est resté sur la théorie. Mais en réalité, on ne montre pas aux gens que nous sommes réellement des missionnaires pour Dieu. Donc, au lieu toujours de dire que Jésus-Christ nous a dit « Allez et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils », et nous sommes toujours restés dans un seul pas, sans aller vers les autres qui ont besoin de l'amour de Jésus-Christ, qui ont besoin du rachat. Donc, on est resté toujours sur place. Donc, pour nous, en tant que missionnaires, donc, nous devrions changer et cette pensée-là pour aller vers ceux qui meurent, vers ceux qui périssent, qui ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie. Parce que Jésus-Christ va revenir, il faut aller les prêcher aussi afin qu'ils aient l'espérance à la vie éternelle. C'est ça que je vois par rapport avec cette illustration. Merci beaucoup, merci pour toutes vos interventions. On va devoir malheureusement s'en arrêter là. Hein. Désolé, je pensais juste à Thomas Desmandos. Oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y allait, hein. Il a pris un risque pour sauver des gens. Ok, effectivement, on pourra aussi penser à cette autre illustration-là. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous ce matin. Et vous savez que vous pouvez aussi nous rejoindre cet après-midi à 17h pour EDS+. Et bonne étude également pour la semaine prochaine où nous continuerons d'observer comment Dieu est et fait en tant que missionnaire. On pourrait penser que l'œuvre adventiste du 7e jour au Ghana a commencé dans une grande ville. Au contraire, un petit village de pêcheurs sur la côte sud a été le lieu d'un début improbable. Je vous souhaite la bienvenue à Apom, qui est considéré comme le berceau de l'adventisme au Ghana. Selon l'histoire, un certain Dolphin a ramassé un tract sur la côte en 1888. Dolphin était le nom d'un commerçant local qui vivait à Apam. À l'époque, aucun adventiste ne vivait dans la région. Un jour, alors qu'il était en train de pêcher, il vit flotter une brochure. Et cet homme, pour satisfaire sa curiosité, a pris cette petite brochure. Et en la lisant, il a découvert la vérité biblique sur le sabbat. En 1891, 33 croyants avaient accepté de respecter le sabbat à Apam. L'église a continué à grandir et s'est rapidement développée dans tout le Ghana. Aujourd'hui, une statue représentant la main de Dolphin tenant la célèbre brochure commémore l'origine de l'église adventiste au Ghana. Ce qui est important, le début de l'évangile nous a permis de commencer par un tract sur la côte d'Apam. Et maintenant, nous avons des églises dans tout le Ghana. Au cours des 150 années qui ont suivi la découverte de Dolphin, l'église adventiste s'est développée et est devenue très respectée dans tout le pays. Aujourd'hui, le Ghana compte le plus grand nombre de membres adventistes de la division de l'Afrique occidentale et centrale. Certaines des meilleures écoles et centres médicaux sont des institutions adventistes. Même les plus hauts postes d'aumôniers dans l'armée et la police sont occupés par des pasteurs adventistes. Mais il y a encore des régions difficiles à atteindre. Memba est un jeune pionnier de la mission mondiale dans le nord du Ghana. Il s'efforce de créer de nouveaux groupes de croyants dans des communautés qui n'ont pas d'antécédents chrétiens.
Parmi ses nombreuses activités de sensibilisation, il est devenu enseignant bénévole afin de pouvoir toucher les étudiants qui ne sont pas d'origine chrétienne. L'église adventiste se développe au Ghana, mais à un rythme lent dans la région du Nord. J'ai décidé d'enseigner l'éducation religieuse et morale. J'ai donc choisi de leur enseigner ce qu'est réellement le christianisme. À l'heure où je vous parle, chaque sabbat, environ 35 élèves fréquentent l'église. 10 d'entre eux m'ont assuré qu'ils allaient choisir un lycée dont l'éducation est celle qu'offrent les adventistes du 7e jour. Le travail des pionniers de la mission globale comme Memba est essentiel pour toucher les populations des communautés non encore atteintes au Ghana et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de personnes au Ghana qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Et avec le soutien des pionniers de la mission globale et de leur projet, les gens vont s'habituer à entendre le message. Ils entendront la bonne nouvelle et cela change des vies. Plusieurs témoignent de notre Dieu et cela se fait par l'intermédiaire des pionniers de Global Mission. Merci de prier pour le Ghana et la division de l'Afrique occidentale et centrale. Il s'agit d'un domaine difficile qui comprend des villes avec une grande présence adventiste, mais aussi des régions avec très peu d'influence chrétienne. Merci pour votre soutien dans cette région du monde. De pouvoir partager ce que nous on a, selon nos cœurs, de partager nos offrandes, nos dîmes. Donc j'invite au diacre à passer dans les rangs. On arrive à la fin de notre école du sabbat. Je vous remercie pour votre présence, mais aussi je vous invite sabbat prochain à 9h15 pouvoir nous réunir de nouveau ensemble pour continuer à étudier la parole de Dieu. Et pour finir, on va prier. Aujourd'hui, nous accompagne Franck pour la fin de la prière avec le groupe. Prions le Seigneur. Prenez la position qui vous convient pour prier le Seigneur. Céleste Père en Jésus, en ce matin, nous voici encore, Seigneur, à tes pieds pour te louer, t'exalter, t'offrir un culte. Mais spécialement, Seigneur, nous voudrions te demander pardon pour nos fautes. Remplis ton Église de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons t'offrir les enfants, les animateurs, les parents, les enfants des chatons. Seigneur, tu les connais mieux que nous-mêmes. Permets au Dieu que ton esprit puisse les animer, puisse rentrer dans leur cœur afin de faire le travail que tu veux. Oui, Seigneur, ton Église, c'est une Église missionnelle et missionnaire. Merci Seigneur de nous avoir rappelé que nous sommes tous pour la mission. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.
Bonjour à tous, bienvenue aux internautes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Juste quelques annonces à titre de rappel. Demain, dimanche 8 octobre, ADRA ouvre ses portes aux horizons de 9h à 11h30. Pensez à vous munir de monnaie. Vendredi 13 octobre à 20h à Lola, il y aura l'ouverture du sabbat avec Rejoice, repos, joie et célébration. Vous y êtes invités, on est tous invités. Et en parallèle, en ligne à 20h, il y aura le sabbat en famille. Samedi prochain, il y aura trois cultes en parallèle. Donc en plus du culte habituel qu'on a ici à 10h45, il y aura à Lola le premier culte oasis avec Florian Ritlewski. Et à la salle du conseil de la FAT, il y aura le culte contact avec Richard Lehmann. L'après-midi, sabbat prochain à 14h30, il y aura toutes les activités JIA. Voilà, on m'a dit chargé de vous dire aussi que la semaine du 28 octobre au 4 novembre, de 19h30 à 20h30, vous êtes invités à participer, à assister à la semaine de l'engagement sur le thème « Heureux celui qui attend » avec le pasteur et professeur Eurico Correa. Je vais inviter le pasteur Florian Ritlewski qui a une annonce particulière à nous faire. Bonjour à tous. Nous voulons vous annoncer une triste nouvelle puisque Françoise Villeneuve, la femme de René Villeneuve, la belle-sœur de Claude, est décédée cette nuit. Et nous voulons en tout cas présenter nos condoléances pour la famille, mais surtout être en prière pour la famille. Et je vous invite juste à un court moment de prière ensemble pour les présenter entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, je veux te présenter cette famille en deuil. Tu sais que même si c'est le sabbat et que nous sommes dans l'allégresse, nous voyons aussi une famille qui doit dire au revoir à Dieu. Nous avons bien sûr cette espérance de la résurrection et cette espérance que bientôt nous allons nous retrouver. Mais entre-temps, il y a cette absence et ce deuil à faire. Et nous voulons te présenter toute la famille d'un même cœur. Et que nous puissions tout simplement nous entourer en ayant cette juste distance qui permet d'être présent sans être envahissant. Alors que Seigneur, eh bien, tu puisses accompagner, entourer cette famille et qu'ils puissent faire face à cette séparation en ayant cette espérance de bientôt revoir Françoise. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Comme elle est décédée cette nuit, eh bien, nous n'avons pas encore les informations pour la cérémonie d'adieu et nous vous les communiquerons assez rapidement. Pour clôturer ce moment d'annonce, juste un petit rappel pour aujourd'hui. Le culte sera animé par le département ministère de la prière et c'est Raquel Lallemand, responsable du ministère de la prière de l'Église qui nous apporte le message sur le thème « Seigneur, apprends-nous à prier ». Le reste des informations se trouve sur la feuille d'annonce disponible à l'accueil. Merci pour votre attention et bonne suite du programme. Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Knott et Yves et Sylviane Santi pour la version française. Mieux que le platine, quelle est donc la marchandise la plus précieuse au monde? Si vous avez choisi l'argent, l'or ou le platine, 10 000 courtiers pourraient vous solliciter. Si vous avez choisi le palladium ou le rhodium, vous connaissez bien les métaux précieux. Mais aucun d'entre eux ne peut éclairer un rêve
ou susciter une prière lorsque la peur ou la douleur envahissent toutes nos nuits. Il n'y a qu'une seule chose que des milliards de personnes veulent, y compris tous ceux qui n'ont jamais possédé ou vu un métal précieux. Cette chose, c'est l'espoir. Et il se trouve non pas dans le sol, mais dans les cieux. L'espoir, c'est la certitude qu'il existe une autre vérité sur nos vies, que nous sommes aimés, appréciés et qu'il vaut la peine de tenir. L'espoir s'élève au-dessus de nos faiblesses pour affirmer que Dieu n'en a pas encore fini avec nous. Quoi que nous possédions, quoi que nous chérissions, nous sommes précieux pour le Dieu qui nous a donné l'espoir en nous offrant ce qui est le plus précieux pour lui. Car c'est ainsi que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'espérance est notre confiance dans le fait que Dieu est bon, que la grâce est finalement ce qui compte. Toute autre valeur découle de la confiance que notre histoire ne doit pas se terminer en poussière. La grâce nous indique toujours le ciel. Alors, restez dans la grâce.
Tu es béni. Tu es béni, Dieu de l'univers, car tu nous rassembles ce matin en ce lieu. Tu nous as appelés et nous avons répondu à ton appel. Tu viens nous visiter. Tu viens déposer en nos cœurs les mots de ta promesse. Tu viens déposer en nos cœurs, Seigneur, ton amour. Tu viens déposer en nos cœurs ton soutien. Tu nous accueilles. Tu donnes une place à chacun, chacune d'entre nous. Tu donnes une place, Seigneur, à chaque enfant, chaque bébé. Tu donnes une place à tous ceux qui n'ont pas de place. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu fais route avec chacun de nous. Tu es là sur nos chemins. Tu es notre compagnon de chaque jour. Seigneur, sois avec tous ceux qui souffrent. Sois avec tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Visite nos cœurs. Visite notre esprit. Seigneur, Seigneur mon Dieu, viens maintenant, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Sois béni, sois exalté, d'éternité en éternité. Bonne adoration à chacun. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Alors, qui est-ce dans la salle qui a un ami à côté de lui ou un peu plus loin dans la salle? Vous pouvez les regarder. Vous pouvez vous saluer même. Merci, merci. Alors, avec le chant qui va suivre, nous vous invitons à ensemble saluer notre grand ami Jésus. Et nous vous invitons à entonner ce chant, quel ami fidèle et tendre. Thank you.
Est-ce que vous êtes convaincu qu'il écoute nos prières? Notre deuxième chant, prier c'est la clé. Est-ce que vous êtes convaincu que la prière c'est la clé? Donc je vous invite à entonner fort avec nous. De devant, on vous entend pas assez fort. Donc poussez un peu plus vos voix. Merci. Prier c'est la clé. Merci. On va inviter Jésus là. Aujourd'hui, sabbat du ministère de la prière, nous vous invitons chacun à prier la position qui vous convient, soit à genoux ou debout. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te psalmodions, nous te bénissons. Tu es notre Dieu, tu es digne de louange. Dieu trois fois saint, merci. Merci de nous avoir permis d'être là. Tu dis dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur d'être au milieu de nous. Merci mon Dieu de nous faire du bien. Nous voulons Seigneur te prier pour tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Pour tous ceux qui sont tristes parce qu'ils ont eu peut-être un décès dans leur famille. Pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui ont des problèmes de santé. Qui ont des problèmes mentaux. Pour ceux qui ont des problèmes financiers, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment. Nous voulons, Seigneur, aussi te prier pour notre pays, notre France. Nous te prions, Seigneur, pour notre président, Emmanuel Macron. Nous te prions, Seigneur, pour ce gouvernement. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse être sur notre pays, sur nos dirigeants. Nous te prions, Seigneur, pour nos dirigeants au niveau de la conférence générale. Nous te prions, Seigneur, pour nos dirigeants de la division. Nous te prions, Seigneur, aussi pour notre président de fédération. Nous te demandons, Seigneur, de bénir toute cette équipe de la fédération, Seigneur. Nous voulons te prier pour chaque membre d'église. Nous te prions aussi pour chaque famille, chaque papa, chaque maman, chaque enfant, Seigneur. Merci, mon Dieu, de nous avoir permis d'être là pour t'implorer pour toutes ces personnes. Nous te remettons, Seigneur, la suite de ce programme. Sois avec chacun de nous, dans notre petitesse, dans notre imperfection. Nous voulons t'offrir ce sabbat du ministère de la prière. Que tu puisses être avec chacun de nous, ceux qui nous regardent par Internet. Que tu puisses, mon Dieu, toucher chaque personne
aujourd'hui. Que tu puisses, mon Dieu, faire la différence dans nos vies. Soutiens, guéris, accompagne, porte. Au nom de Jésus. Amen. Le salon du livre attire beaucoup de lecteurs passionnés, tandis que le salon du Saint-Sabbat attire les passionnés d'un livre qui parle du don de soi et de la joie à donner. Alors que nous sommes dans ce stand nommé Offrande, un petit bout de chou peut y déposer ses quelques sous. Les retraités, les salariés, les étudiants venus d'ailleurs ou de toute l'Europe peuvent y déposer leurs enveloppes. Et même ceux qui sont venus les mains vides, effets collatéraux du Covid, peuvent alors offrir leur cœur, offrande d'une grande valeur. Pour ceux qui nous suivent via le net, les coordonnées bancaires s'affichent avec réserve. À vous tenir debout afin que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, tu es notre paix, tu es notre joie, tu es celui qui nous délivre, tu es celui qui nous guérit, tu es notre paix. Et c'est pourquoi, ô Dieu, nous sommes venus avec nos dîmes et nos offrandes.
pour pouvoir te dire merci pour tout ce que tu nous as donné. Mais merci aussi pour le magnifique cadeau que tu nous as fait en nous donnant ton Fils, Jésus-Christ. Merci aussi pour la vie éternelle. Mais nous savons aussi, ô Dieu, que tes mains ne sont pas trop courtes pour agir. Tu entends les prières de ceux qui cherchent du travail pour participer à ces mêmes bénédictions. Nous te demandons, notre Dieu, d'intervenir, d'ouvrir les portes, ô Dieu, mais que nous puissions, au travers de ton action, vivre des expériences de foi avec toi. Nous te bénissons, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. J'invite les enfants à venir tous devant, les petits. Bonjour les enfants. J'ai pas entendu. Merci. Je vais vous parler de l'histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps d'un dénommé George Müller. C'était un pasteur en Angleterre. Ah, c'est bien. Il avait pour habitude de tout remettre en prière, de ne pas réclamer de salaire, mais de demander à Dieu. Et bizarrement, il recevait chaque jour, des fois, des enveloppes, des cadeaux pour prendre soin de sa famille. Et chaque fois, Dieu prenait soin de lui. Mais c'était au 19e siècle. Vous savez comment c'était le 19e siècle en Angleterre, les enfants? Le 19e siècle en Angleterre, il y a 100 ans? C'était une période où l'Angleterre, il y avait beaucoup de maladies, il y avait beaucoup d'usines. Et c'était une période assez sale aussi. Et il y a eu une pandémie de choléra. Vous vous rappelez de la crise Covid? C'est une période où il y a eu la même chose, une grande maladie qui s'est répandue dans toute l'Angleterre, cette grande maladie. Elle tuait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Elle a fait beaucoup de dégâts au point où des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans se sont retrouvés orphelins. Vous savez ce que c'est être orphelin? C'est quoi? Être orphelin, c'est quoi? C'est que nos parents ils sont morts ou qu'on n'a pas de parents? C'est exactement ça. Et tout plein d'enfants comme vous se retrouvaient sans parents. Et ils avaient deux choix. Soit parcourir les rues pour essayer de survivre, mendier ou voler, ou soit travailler dans les usines. Le matin, ils travaillaient, à midi, ils travaillaient. Et le soir, ils travaillaient encore. Et c'était des enfants comme vous. Et ils travaillaient. Et ils avaient seulement 3 repas par jour. Mais le monsieur, le pasteur George Müller, pour lui, il ne pouvait pas laisser des enfants comme ça. Du coup, il pria. Il pria pour que Dieu l'aide à construire un orphelinat. Vous savez ce que c'est un orphelinat, les enfants? C'est quoi? C'est un endroit où ils gardent les gens qui n'ont pas de parents. C'est ça. Et
Georges Müller, pour construire l'orphelinat, se mit à prier. Et d'un coup, toc toc, quelqu'un toqua et lui dit « J'ai entendu parler de votre projet, je suis architecte, je peux vous aider à construire cet orphelinat gratuitement. » Et après, Georges Müller se balada dans la campagne et il trouva un grand terrain dans la campagne. Et il demanda le prix du terrain au propriétaire et le propriétaire lui vendit le terrain pour vraiment pas cher. Et le lendemain, il reçut l'argent aussi pour acheter ce terrain. Et en quelques années, il entreprit la construction d'un grand orphelinat. Et vous savez combien il y avait d'enfants dans cet orphelinat ? Ils étaient des centaines dans cet orphelinat. Des centaines. Mais un enfant, vous avez besoin de quoi, les enfants ? Est-ce que vous avez besoin d'habits ? Vous avez besoin d'habits, les enfants, vous êtes d'accord ? Mais il fallait qu'il ait des habits pour habiller des centaines d'enfants. Vous avez besoin de livres pour apprendre. Vous n'avez pas besoin de livres ? C'est bien. Mais ils avaient aussi besoin de nourriture. Et un jour, alors qu'il travaillait, qu'il était dans son bureau, Monsieur Müller, dans son bureau, et d'un coup, son assistante arriva en courant. Monsieur Müller, Monsieur Müller, Monsieur Müller, nous n'avons plus de nourriture pour les enfants à midi. Et Monsieur Müller alla dans la cuisine, il ouvrit les placards, le frigo, et il n'y avait plus rien. Mais c'était midi et il fallait nourrir ces centaines d'enfants. Et il regarda son assistante et il lui dit, « Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. » Du coup, il alla dans la salle à manger. Il y avait des centaines d'enfants comme vous dans la salle à manger. Il alla et il commença à mettre la table. Il installa la table pour les enfants. Vous êtes d'accord qu'on a besoin d'une assiette pour manger ? Il sortit les couverts aussi. Et tous les enfants étaient gentiment assis devant leur assiette. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans cette assiette ? Ben elle est vide. Elle est vide parce qu'il n'y avait rien à manger dans l'orphelinat pour eux. Et des centaines d'enfants étaient comme ça devant leur assiette. Et Georges Müller se mit à prier. Il se mit à prier et il remercia le Seigneur pour ce repas. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y avait rien à manger ? Mais malgré tout, il a prié et il remerciait le Seigneur pour ce repas. Et au moment où il termina sa prière, d'un coup, ils ont entendu toc, toc, toc dans la porte de l'orphelinat. Et ils allèrent ouvrir et c'était le boulanger qui ouvrit la porte et qui dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le sentiment que je devais cuisiner pour vous aujourd'hui. » Et le boulanger commença à sortir de la nourriture et du coup, il l'installa dans la nourriture dans toutes les assiettes des enfants. Et il y avait d'un coup de la nourriture dans les assiettes des enfants. Vous savez ce qui s'est passé, les enfants ? Dieu a répondu à la prière de Georges Müller. Georges Müller ne savait pas, il a prié, il était sûr que Dieu allait nourrir tous ses enfants et qu'ils allaient recevoir de la nourriture. Et à la fin de sa prière, le boulanger arriva avec de la nourriture pour nourrir tout l'orphelinat. Et les enfants, c'est pour vous dire que des fois, il ne faut pas s'inquiéter, mais simplement avoir la foi et Dieu répondra à vos besoins. Et vous pouvez vous retourner à votre place. Allez, c'est une histoire vraie aussi, qui s'est vraiment passée. Je vous invite à prendre votre Bible et nous lirons dans Luc 11, versets 1 à 4.
Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Bonjour à toutes et à tous. Pour nous, c'est un privilège d'avoir un jour spécial où nous allons parler, prier ensemble et réfléchir ensemble sur la prière. Merci, Améric, pour la belle histoire de la foi et de la prière. Ce matin, avant d'ouvrir, merci Alice qui fait la lecture également, nous aimerions partager avec vous quelques projets du ministère de la prière. Depuis le 16 septembre, une fois par mois, le ministère de la prière et le ministère d'évangélisation avec plusieurs personnes dans l'église a démarré un projet qui s'appelle Daniel, un message pour les fins de temps. Comme nous savons, Daniel était un homme de la prière. Et à chaque fois, une fois par mois, nous allons nous rencontrer pour méditer sur Daniel. Dans le ministère de la prière également, nous avons la réunion de prière du mercredi soir de 19h45 à 20h30. Et cette réunion, cette année, nous avons décidé que nous allons réfléchir, prier sur la vie de Christ. Un autre projet que vous avez remarqué déjà, que vous pouvez voir dans le bulletin de l'Église, c'est l'Église en prière. L'Église en prière, c'est un projet où toute l'Église va participer pendant une semaine à prier pour les membres de l'Église. Nous avons prié pour environ 100 familles de l'Église. Et amen, parce que nous avons entendu des réponses aux prières, des miracles que Dieu a fait, du boulot pour gens qui cherchaient du boulot. Dieu est merveilleux. Nous avons aussi un autre projet qui s'appelle la chambre de prière. C'est un projet qui démarre dans notre Église depuis 3 ans, où quand nous avons un programme spécial de ministère d'évangélisation, 30 minutes avant le programme, nous avons un groupe de personnes qui prient et intercèdent pour ceux qui vont regarder, pour ceux qui sont en train de prendre une décision. Vous êtes tous bienvenus. Comme c'était annoncé, du 28 octobre au 4 novembre, nous allons une semaine spéciale. Et la chambre de prière, elle sera ouverte tous les soirs de 19h à 19h30. Venez participer et prier ensemble. Un autre projet également que nous avons démarré ensemble, donc la vie de Christ, le projet de Daniel, l'église en prière, la chambre de prière. Mais parfois, c'est vrai qu'on prie ici, et notre projet initial, c'était que la personne qui soit là, elle est disponible pour prier avec vous. Si parfois vous êtes là, vous ne sentez pas très bien, il y avait quelque chose qui vous semble difficile, la personne qui va prier le samedi matin après l'ODS, elle aussi, elle est disponible pour prier avec vous. Donc nous avons, mais parfois vous rencontrez quelqu'un du ministère de la prière, nous sommes toujours disponibles pour prier avec vous, d'accord? Et un tout dernier projet que nous avons mis en place, si vous voyez, nous ne prions plus pour les personnes. Maintenant, nous prions pour les projets. Par exemple, ou pour les classes. Aujourd'hui, nous avons Franz, il a prié pour la classe des chatons, pour les animateurs, pour les parents, pour les enfants. Mais imaginons qu'un jour, vous êtes là et vous avez quelque chose que vous aimeriez bien qu'on prie. Donc là, vous aurez une petite boîte à l'entrée de l'église que vous pouvez écrire votre prénom. Et attention, quand on parle des prières, il y a la prière publique, mais aussi
La prière, on peut faire dans la confidentialité. Si vous voulez qu'on prie pour vous, mais vous ne voulez pas que votre nom soit cité ici, nous serons toujours disponibles et disposés à prier avec vous. Donc, nous avons plein de projets, des moments de prière, et nous voulons vraiment qu'ensemble, nous puissions vivre des moments intenses de prière. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Tendre Père Céleste, toi le Créateur du ciel et de la terre, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Amen. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de prier. Merci pour cette journée spéciale de prière, du ministère de la prière. Et merci pour tous ces projets dans l'Église qui nous permettent de prier, de communier avec toi, de communier les uns avec les autres et aussi de grandir dans la foi, dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance du plan du salut et dans la croissance spirituelle. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de chacun. Nous voulons te prier d'une façon spéciale en cet instant pour ce message qui sera délivré par Raquel. Veuille ouvrir nos cœurs, nos esprits à l'influence de ton Saint-Esprit afin que nous puissions non seulement être touchés par ce que tu as à nous dire aujourd'hui, mais aussi disposés à nous laisser utiliser par toi à chaque instant de notre vie. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Amen. Seigneur, apprends-nous à prier. La prière. Cette année, en juillet, on était au Brésil. Et j'aime beaucoup la psychologie. J'ai étudié les deux premières années quand j'ai fait l'université. Mais c'est quelque chose qui attire mon attention. Et j'ai été très attirée par un neuroscientifique adventiste qui a commencé à développer quelques sujets à propos de la prière. Je vais vous mettre ici. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Par contre, j'aimerais partager quelques données scientifiques avec vous à propos de la prière. Apaisement, détente, sensation de chaleur, de bien-être. Actuellement, les neuroscientifiques, ils ont l'évidence que quand nous prions, il y a des activités qui se passent, des choses qui se passent dans notre cerveau. Ils ont amené à une étude qui s'appelle « Dans quelle mesure les activités religieuses telles que la prière modifient-elles notre cerveau ?» Ils ont réussi à comprendre que quand nous prions, le circuit des récompenses il est activé. Ce circuit il est activé également quand l'utilisation de la drogue, du sexe, la musique, parfois la nourriture, ou même les jeux d'argent. Pourquoi? Parce que ça expliquerait comment un croyant, il se sent différent, transformé lorsqu'il prie. Ça, c'est la première étude. Vous allez voir, il y a une image que vous voyez des zones rouges. Ce sont des zones activées au moment de la prière. Donc, notre cerveau, quand nous sommes dans une situation de prière, il y a quelque chose, des éléments qui vont passer dans notre cerveau. Mais attention, c'est plus loin que cela. Il y a un autre aussi, Michael Ferguson, il a fait une autre étude qui, quand des sujets tels comme nous avons un sauveur, Jésus-Christ, ou encore nous pensons quelqu'un que nous aimons et qu'il est décédé, ou encore si nous pensons à la nouvelle terre, notre cerveau va ressentir cela, pas seulement dans le cerveau, mais dans tout notre corps. La pensée de Jésus-Christ, elle transforme nos corps et notre esprit, et le cerveau aussi. Il y a encore un troisième point que j'ai trouvé tellement important. Il y a une recherche qui a prouvé que lorsque une personne, elle s'engage dans la prière,
il y a une augmentation des activités dans les lobes frontaux et la zone linguistique. Quelle est la zone linguistique? Je vous parle. Maintenant, mon cerveau, il est en train d'avoir des activités. Pourquoi? Parce que nous dégageons une conversation. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que lorsque nous sommes en prière et nous prions Dieu, la même zone du cerveau, responsable par la zone linguistique, elle s'y met en activité. Amen. Dieu a créé l'homme avec la réponse à la prière. Nous savons, nous avons vu la leçon aujourd'hui, que le dialogue entre l'homme et Dieu, il était créé depuis l'Éden. L'homme avait Dieu pour parler. Mais quand le péché il est venu pour briser cette communication, de la même façon que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur d'homme, Dieu a mis un langage qui va s'entamer lorsque nous parlons avec Dieu. Chers frères et chères sœurs, la prière, ce n'est pas quelque chose qui est spirituel, c'est physique. Dieu a créé l'homme avec un besoin de passer du temps avec lui. Et ce matin, nous allons faire un chemin de notre fil conducteur, c'est Luc 11. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, que Alice nous a lu. Et là, avec Christ, nous allons passer par des chemins de comment moi, en tant que personne, je peux parler, prier Dieu. Si nous ouvrons la Bible, le verset 11, dit que Jésus priait. On commence déjà le chapitre, Jésus priait. Jésus faisait de la prière. La prière, elle est importante. Cependant, parfois, peut-être que nous ne savons pas comment la faire ou nous ne nous avons pas appris. Et Jésus priait, et à ce moment-là, on voit le verset, lorsqu'il a achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Prier, comment devons-nous prier? Là, nous avons passé pour des moments de prière, la prière de l'Église, ensuite une prière de remerciement. Après, nous avons eu un moment de prière pour l'étude de la parole. Mais est-ce que on peut avoir une structure pour la prière? Et là, nous allons voir les structures que Jésus nous a apprises. D'accord? Il a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, le verset 1. Et maintenant, nous allons réfléchir sur la prière. Jésus, quand nous prions et nous demandons, il répond. C'est la première certitude que nous devons avoir dans la prière. Et c'est pour cela que nous devons avoir un mot que j'ai beaucoup apprécié dans l'histoire d'Amérique, c'est que Jésus priait avec ferveur et avec une grande foi. Si nous avons vu toutes ces activités qui se passent dans notre cerveau, c'est parce que nous devons croire que nous parlons à quelqu'un qui existe. Quand nous entendons une conversation avec Dieu, nous devons croire qu'il est là, qu'il nous entend. Parce que quand je parle avec quelqu'un, j'ai l'intérêt d'avoir cette conversation, la prière également. Et l'élément essentiel dans la prière, c'est la foi. Passons maintenant à comment prier. Si nous prenons le verset 2 du chapitre 11, nous avons le premier élément de la prière. Quand vous priez, vous dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Il y a quelques jours, nous avons eu une réunion du ministère de la prière. Et c'était intéressant parce que nous avons parlé, Valérie, elle a élevé la question de louange et remerciement. Et parfois, on mélange un peu qu'est-ce que c'est louer Dieu et qu'est-ce que c'est remercier Dieu. Et Jésus, quand il a enseigné à prier, il a mis que la prière, l'objet de notre adoration, c'est Dieu. Nous devons louer et glorifier le nom de Dieu. Mais c'est quoi la louange et c'est quoi le remerciement? Et c'était tellement intéressant parce que je commençais aussi à prier ça, Seigneur, que je puisse comprendre. Nous louons Dieu pour ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Il est le Créateur, il est notre Rédempteur,
Il est notre sauveur. Et je pouvais citer ici, moi, plus des 20 attributs de Dieu. Nous louons Dieu pour ce qu'il est. Et nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans nos vies. Louer Dieu pour la personne qu'il est. Il est notre créateur. Il est notre maître. Et nous remercions, nous reconnaissons les choses qu'il fait dans nos vies. Nous sommes en vie aujourd'hui. Nous pouvons parler, nous pouvons écouter, voir. Nous avons une famille, nous avons un toit, nous avons la nourriture. Si vous voyez, on a tellement de choses pour remercier Dieu. Et c'est intéressant que tous les grands personnages de l'Ancien Testament, tels comme Daniel, David, Moïse, ils ont reconnu Dieu comme le vrai objet de l'adoration. Ensuite, nous passons pour la deuxième partie de la prière, que ton règne vienne. Quand nous prions, nous adorons Dieu, nous le louons. Ensuite, nous demandons, Jésus nous a dit, il faut prier que ton règne vienne. La question de ton règne vienne, c'est qu'il faut toujours rechercher la volonté de Dieu. Dans le livre des Proverbes, si vous voulez ouvrir avec moi, il y a le Proverbe 3, verset 5. Il nous amène déjà ces raisonnements. Il nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre, sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Reconnaissons que Dieu est le Créateur, que c'est lui qui mérite la louange, pas moi. Et ensuite, Dieu, c'est lui qui connaît tout, il connaît le futur. Et quand on prie que la volonté de Dieu soit faite, c'est là que Dieu peut agir dans nos vies. Et je vais vous dire, mais parfois, est-ce que c'est facile? Non, je ne parle pas de choses faciles là. Je parle des choses impossibles. Et si vous dites, mais Raquel, si tu dis que c'est impossible, pourquoi prier? Parce que la prière, ce n'est pas quelque chose que moi, autant qu'être humain, je peux faire. C'est quelque chose que Dieu peut faire. Est-ce que pour Dieu, il y a des choses impossibles? Non. Parce que les choses difficiles, moi, je peux le faire. Et la prière, ce n'est pas moi, la personne, qui va la faire. Quand nous prions, nous laissons que Dieu puisse agir, comme c'était l'histoire qui était racontée. Dieu, il a fait un miracle. Et c'est ces miracles qu'il a envie de faire tous les jours dans ma vie, si je laisse à place lui pour gérer mes projets. Lui qui gère ma vie. Donc, le deuxième point de la prière, c'est laisser notre volonté à Dieu. Et si on parle de Jésus, même Jésus, hein, quand il était là en Luc, quand, au moment où il était devant dans le mont Olivier, et que Gethsémani. Et qu'est-ce qu'il a dit? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ne soit pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Christ, il mettait la volonté de Dieu comme priorité dans sa vie. Et Dieu, il était là avec lui. Et si nous voulons réussir dans les projets, j'ai envie de me marier. Qui doit être le maître de projet? Dieu. J'ai envie de faire mes études. Qui doit être là? Dieu. J'ai envie de travailler. Que tout ce que nous fassons soit guidé par la volonté de Dieu. Le troisième point, il se trouve dans là, le verset 3. Donnez-nous chaque jour notre pain quotidien. Est-ce que Dieu, Jésus, quand il a fait cette demande, il a demandé le pain pour toute la semaine? Le pain quotidien, à ces moments. J'aime beaucoup la question du manne. Vous vous souvenez? Chaque matin, il y avait le manna pour la journée. Et ceux qui prenaient énormément, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Il était périmé. Quand nous prions, et nous demandons à Dieu qu'il nous donne ce qui est important pour nous, nous devons avoir une notion pas matérialiste qu'il faut tout avoir, mais une notion que Dieu, il va donner nos besoins
fondamentaux pour l'existence humaine. Et là, on peut parler du côté physique, la nourriture, mais il y a aussi le côté émotionnel. Nous avons besoin de Dieu pour nous assurer. Nous avons besoin de Dieu pour donc, le côté de la famille. Parfois, il y a quelqu'un qui va venir demander que vous puissiez prier pour la personne. C'est un besoin. Donc, si nous avons l'aspect de louer et glorifier Dieu, ensuite de soumettre à sa volonté, nous avons le troisième point, que Dieu le soucie de nos besoins physiques. Et nous devons croire et avoir la foi qu'il fait cela. Le quatrième point, qui est dans la prière, il va nous parler « pardonne-nous nos péchés, car nous aussi pardonnons à quiconque nous offense ». Dans cette démarche, le quatrième point, il y a quatre points très importants. Premier point, quand je prie, pardonne-nous nos péchés, je reconnais qui je suis. Je suis un pécheur. De moi, il n'y a rien qui est bon. Si je fais des bonnes choses, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui me permet de le faire. Et quand nous reconnaissons notre situation et spirituelle, Dieu, il peut agir. Mais c'est intéressant parce que la démarche, elle ne va pas s'arrêter en moi-même. Je reconnais que je suis et ensuite, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à celui qui nous a offensés. Et là, il y a une deuxième démarche du pardon. Dieu demande au Dieu qui me pardonne, mais je dois pardonner l'autre. La même bienveillance et générosité que Dieu a envers ma personne, nous devons avoir l'autre qui est devant nous. Mais il continue. Nous ne laisse que nous pardonnons et ne nous induit pas en tentation. Le Dieu qui nous pardonne, il va nous délivrer aussi de la tentation. Et si on reprend la version de Matthieu, mais délivre-nous du malin. Donc nous avons quatre démarches. J'aimerais vous montrer quelque chose. Si nous parlons que la prière, elle peut agir dans nos cerveaux, j'aimerais vous parler, attirer votre attention sur la colère et la rancune. Il y a des études qui prouvent que souvent, je ne vais pas vous donner une donnée statistique ici, quand quelqu'un nous fait du mal et nous restons dans cette émotion, ce sentiment, notre corps est empoisonné. Et là, vous voyez une phrase, la rancune est un poison, c'est un poison qu'on boit en attendant que l'autre meure. Quand quelqu'un m'a fait du mal, qu'est-ce que je fais? Je prie. Est-ce que c'est facile de pardonner? Qu'est-ce que j'avais dit au début? C'est impossible. C'est pour ça que je prie. Parce que si quelqu'un nous fait du mal, il nous blesse. Une fois, deux fois ou souvent, nous sommes abîmés. Et c'est que Jésus, Dieu, qui peut nous guérir. Mais garder ses sentiments, c'est comme à chaque jour, je pense ce qu'il m'a fait. C'est comme si je suis en train de mettre du poison dans mes veines. Et le résultat, c'est une maladie. J'ai connu quelqu'un qui a un cancer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne pardonnait pas son mari qui l'avait trompé. Le pardon, il est important. Et là, je vais reprendre notre exemple des prières. Il était à la croix. Et quels que c'était ces mots? Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, si Jésus nous dit que nous devons pardonner, c'est parce qu'il a fait. Et s'il a réussi à faire, avec son aide, nous pourrons le faire également. Amen. Et là, je vous demande vraiment de bien réfléchir. Qu'est-ce qui a la place du pardon dans ma vie? Maintenant, nous allons passer quelques instants à méditer. Quand et où prier? Jésus, il avait une pratique des prières. Là, vous avez vu le Marc 1, 35. À l'aube, alors qu'il faisait encore, fait encore sombre, Jésus s'élève, quitte la maison et s'y rend, pardon, dans un endroit désert où il prie. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous raconter un événement qui s'est passé avec moi. C'était l'année 2016. Je venais de faire l'équivalence de mon diplôme. J'avais gardé Annabelle jusqu'à ce moment. Et ensuite, ma belle-mère aussi, elle a eu un AVC, elle a devenu handicapée. C'était une année difficile. Plusieurs choses sont cumulées. Qui me connaissent
savent que je suis quelqu'un de très volontaire. Mais à ces moments-là, je n'allais pas bien. C'était vraiment très dur pour moi, gérer toutes les émotions, les sentiments, les choses qui venaient. Et je disais à mon mari, je ne peux plus. C'était dur. Et à ces moments, j'ai participé de la salle du château, mais j'ai chanté aussi dans une chorale. Et là, il y avait une physiothérapeute qui m'a raconté que son travail aussi, c'était parfois difficile, et des situations. Et elle me disait qu'elle marchait à 4 heures du matin. J'ai dit, waouh. Comme elle travaillait à 6h30, marcher à 4 heures du matin, j'étais étonnée. Et la situation, dans mon état, elle a commencé à se dégénérer parce que j'ai commencé à me réveiller. Au milieu de la nuit, je ne dormais plus. Donc, c'était vraiment très compliqué à gérer. J'ai prié Dieu et j'ai dit, Seigneur, aide-moi parce que je n'arrive plus à gérer ce qui se passe avec moi. Et un jour, le matin, je me suis réveillée, c'était 4 heures. Et j'ai commencé à prier, je commençais à parler à Dieu, je voulais dormir. Et là, j'ai entendu une voix, « Lève-toi et va marcher. » 4 heures du matin. Et vous savez ce que je fais? Je me suis levée et j'ai commencé à marcher. Je suis allée des endroits que je n'étais jamais allée à pied et j'ai commencé à faire une démarche, des prières. Et j'ai marché. Et pendant, j'avais un peu peur parce que c'était la nuit et c'était 4h30 plus ou moins. Et j'ai marché jusqu'à 6h du matin. J'ai fait tout le chemin, c'était presque 4 kilomètres. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à dire tout ce qui s'est passé. J'ai respiré, je marchais. Et quand je suis arrivée à la maison, j'étais mieux. Et vous savez, depuis presque 8 ans, je pratique la marche du matin. Et Dieu, c'est un moment où je prie Dieu, c'est un moment où je fais de la marche. Et gloire à Dieu, je glorifie Dieu en ces moments, parce que dans ma famille, on a plusieurs cas de dépression profonde, des crises, des médicaments très forts. Et en ces moments, j'ai dit, Dieu m'a guéri. Amen. Et je sais que Dieu a permis que je passe pour cette situation parce qu'il y avait quelque chose en moi qu'il voulait changer. Peut-être que je ne dormais pas à la bonne heure. Aujourd'hui, quand je me lève très tôt, je ne marche plus à 4 heures. Il faut bien croire, d'accord? Maintenant, je marche 5h30 à 6 heures. Et j'ai mon mari qui fait la compagnie à moi. J'ai marché avec plusieurs personnes dans cette église. On a prié ensemble aussi. Et aujourd'hui, je vous dis que chaque matin, parfois je dors et je me réveille à l'heure pour partir. Et c'est intéressant parce que je me réveille un peu plus tôt pour passer un moment des prières. J'ai passé pour des moments très difficiles après, le décès de ma belle-mère, les décès des personnes très proches à moi, une amie qui s'est suicidée très proche. Et comme Dieu m'avait mis dans ces cheminements, aujourd'hui je gère plus facilement. Pourquoi? Regardez, Marc, à l'aube, tous les jours, Jésus avait une rencontre spéciale avec Dieu. Et si nous voulons continuer à avoir de victoire dans nos vies, il faut que nous devons nous rencontrer avec Dieu. C'est intéressant aussi parce que dans Luc 6, si on lit, en ces temps, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa la nuit. Jésus priait tous les matins, c'est un fait. Mais quand Jésus avait une décision importante, il passait la nuit en prière. Et ces moments-là, c'était avant qu'il choisisse les 12 apôtres, les 12 disciples. Est-ce qu'il y avait seulement 12 personnes qui suivaient Jésus? Non, il y avait la foule. Il fallait choisir 12. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une nuit de prière avec Dieu. Comme je vous avais dit, la prière, c'est importante. Cette démarche, c'était les disciples qui ont demandé. Est-ce qu'ils ont appris? La Bible, si on va lire le livre d'Actes, on va voir qu'ils ont bien appris. Ils ont, en deux occasions, par exemple, quand Jean et Pierre étaient en prison, le groupe, quand ils ont arrivé, vous vous souvenez, ils frappaient à la porte et l'église était en prière. Ensuite, il y avait des veuves, il y avait des situations difficiles dans l'église. Il fallait mettre en place les diacres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça? La prière. Est-ce que les disciples ont appris comment prier? Oui. Il y a un verset que je voulais laisser avec vous ce matin. J'appellerai Joseph Lévy pour venir ici, s'il vous plaît. Et nous continuerons à nous appliquer. À quoi? À la prière et au ministère de la parole de Dieu.
C'est vrai que vous avez m'entendu parler. Maintenant, Joseph Lévy, il va jouer un morceau. Et vous allez peut-être réfléchir ce que nous avons lu, sur ce que Jésus il faisait. Et peut-être que je peux prendre des décisions en ce moment dans ma vie par rapport à la prière. La prière, elle active des zones de notre cerveau que peut-être que vous ne savez pas, mais elle est là, c'est physique. Nous passerons quelques instants à réfléchir, à méditer sur Dieu. Merci. Je tâcherai de ne pas faire une prédication, mais de rester dans le cadre du témoignage, comme on me l'a demandé. Je ne vous parlerai pas de réponse extraordinaire à la prière, parce que par définition et par étymologie, elles ont toujours du mal à s'inscrire dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours. J'ai envie de vous parler de ces prières toutes simples, journalières, régulières, qui font partie de la vie. Vous savez, comme quand vous avez besoin de préparer un examen, ça vous parle peut-être les étudiants, vous ne prenez pas au tout dernier moment pour faire quelque chose, mais vous prenez le temps, au fur et à mesure, d'étudier un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, par petites touches. Alors je voudrais juste partager avec vous ces petits moments où on se sent accompagné par Dieu. Vous savez qu'avec Marielle, mon épouse, on a choisi d'être une famille pastorale. Alors peut-être plus particulièrement moi, pasteur, et puis elle, de m'accompagner. Et quand on a eu la première mutation, on a été muté à Bordeaux. Alors Bordeaux, c'était magnifique et c'était génial pour nous, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on était dans une grande église, et quand vous êtes jeune pasteur, vous avez envie d'être dans une église où il y a des défis, où il y a beaucoup de choses qui se passent, et ça c'était génial, donc on se sentait béni d'aller là-bas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a pu aller à Bordeaux tout proche de la famille. Mes parents habitaient à 1h30 et c'était génial de pouvoir passer du temps avec eux. Ils ont pu voir arriver nos deux merveilles que sont Lila et Amy. Et tout était bien, et tout allait bien. Et quand j'allais régulièrement chez mes parents, eux qui habitent à la campagne, en revenant en centre-ville de Bordeaux,
Je me disais que la campagne, ça manquait. J'avais envie de retrouver ces moments où on est dans ce calme de la verdure, tout simplement. Et alors, au bout de 8 ans à Bordeaux, est tombée une mutation et on nous a proposé Grenoble. Pour nous, ça a été un petit clin d'œil de la part de Dieu. Parce qu'on avait mis en prière, on avait simplement partagé aussi avec Dieu, ben voilà, ces petits désirs qui ne sont pas grand-chose. On était très bien à Bordeaux. Mais en même temps, quand on a reçu cette mutation de Grenoble, on ne s'attendait pas du tout à aller là-bas. C'était chouette de voir que ce besoin de verdure, de nature, ben il était pris en compte par Dieu. Heureux de pouvoir aussi s'occuper de nos filles avec une école à 500 mètres de la maison et de pouvoir partager du temps avec elles. Et ça, c'était précieux pour nous parce que chaque midi, on mangeait avec toute la famille. Et même le soir, malgré le fait que mon activité fait qu'on prend beaucoup de temps, bien toujours j'ai pu manger, prendre du temps avec la famille. Mais voilà, d'être dans 3 églises, d'être à la JIA, ça faisait que je tournais dans chaque église, j'ai eu beaucoup de plaisir à servir à Grenoble. Mais c'est vrai que pour Lila et Amy, pour Marielle, c'était difficile de tourner dans 3 églises parce que on s'attachait pas à un seul endroit, parce que on changeait chaque week-end. Et comme pour à Bordeaux, on s'est dit ce serait bien d'avoir un peu plus de verdure. Là, on s'est dit ce serait bien d'avoir une église, une seule, où on puisse aller régulièrement, où les filles puissent nouer des relations, où on pourrait aussi prendre le temps, simplement le sabbat, d'être dans une seule église. Est arrivé ce que vous connaissez et qui fait que je suis ici aujourd'hui. Et je suis heureux de pouvoir vous dire que pour nous aussi, c'est une réponse, petite réponse, de dire, dans cet accompagnement, on a ce Dieu-là qui nous a accompagnés, qui a pris en compte les besoins. Alors, je n'ai pas fait une prière bras de fer, ni une prière guerre. Vous savez, ces moments où je suis à genoux et puis on lutte pour avoir ou pour obtenir quelque chose, comme si Dieu ne nous écoutait pas, comme si d'un seul coup, il fallait qu'on attire son attention sur un problème spécifique. Je ne suis pas dans cette prière-là. Je suis dans une prière inclusive. Comme tu le partageais, Raquel. Une prière qui est celle de tous les jours. La prière simple. Quand vous marchez, vous dites à Dieu, « Bien Seigneur, j'ai envie de cheminer avec toi. » Quand vous lavez la vaisselle, ça vous arrive peut-être pas souvent, parce que vous avez la vaisselle. Mais quand vous faites la vaisselle, « Seigneur, tu sais qu'il y a certaines choses dans ma vie qui ont besoin aussi d'être nettoyées, des choses qui ont besoin d'être remises en ordre quand je fais le ménage, des choses qui ont besoin aussi d'être mieux dans ma vie. Moi qui fais du vélo quand je pédale, c'est vrai que ça m'arrive dans ma tête d'avoir le petit vélo qui tourne et de faire beaucoup, de penser à plein de choses. Sur mon vélo, je prie le Seigneur. Je lui dis, écoute, Seigneur, dans tout ce qui tourne dans ma tête, apprends-moi aussi à aller plus droit, à aller à l'essentiel, à ne pas m'essouffler, à garder le cap. Cette prière-là, c'est une prière qui travaille le sens aigu de la présence de Dieu dans ma vie. Dieu est là. Et c'est ça que je trouve interpellant dans toutes ces petites choses et dans ce témoignage-là. C'est simplement que Dieu me donne cette force tous les jours d'avoir cette foi, cette confiance que lui m'accompagne. Sur Instagram, dernièrement, quelqu'un qui est peut-être ici aujourd'hui
lancé une vidéo où il y avait une jeune femme qui disait « Daniel, dans la fosse aux lions, a dormi. Jésus, sur la barque, pendant la tempête, a dormi. Donc, moi, dans mes problèmes, la seule chose que je puisse faire, c'est aller dormir. » Alors, je le dis en rigolant et peut-être pour vous provoquer un petit peu. Simplement, je crois que la prière, au quotidien, régulièrement, par petites touches, m'aide à avoir cette tranquillité, cette foi, cette confiance que peu importe ce qui arrive, peu importe les tempêtes de ma vie, peu importe les difficultés, peu importe ce que je peux ressentir, Dieu est celui qui m'accompagne, qui m'aide à traverser tout cela et qui me donne ce calme et cette confiance. Et je voudrais simplement laisser pour vous ce Ésaïe 30, verset 15, qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et j'ai vraiment envie que ces temps de prière que vous allez pouvoir vivre tout au long de la semaine, tout au long de cette année, puissent être dans cette optique-là, de travailler votre relation à Dieu qui vous apporte cette foi, cette confiance, cette assurance que Dieu vous accompagne et qu'il est avec vous. Amen. Pardon. Je vous invite maintenant à ce qu'on puisse faire un temps de prière. Je viens de parler de la prière aussi. Et je vous invite à ce qu'on puisse se lever et qu'on puisse prier le Seigneur de nous donner cette assurance, de cette guidance, de cet accompagnement que Dieu a dans notre vie. Vous êtes peut-être en train de vivre des moments difficiles. Et c'est peut-être ça qu'on veut mettre en cœur, au cœur de notre prière. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier. Te remercier parce que tu es ce Dieu capable de tout, mais surtout de nous donner ce calme, cette sérénité et cette paix dans les tempêtes de notre vie. Et Seigneur, tu vois ce que chacun peut traverser de tempêtes dans leur vie. Donne-leur cette sérénité, cette confiance que toi, tu ne les laisses pas seuls, mais tu les accompagnes. Et Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas dans une tempête, parce qu'il y en a aussi qui sont heureux, qui sont contents, qui n'ont pas de problème particulier, Seigneur, que nous puissions chacun travailler ce lien que nous avons avec toi dans le quotidien, dans des petites touches. Quand je me lève, quand je me couche, quand je marche, quand je fais du vélo, quand je fais du sport, quand je fais toute chose de mon quotidien, que je puisse me rappeler régulièrement que toi, tu es celui qui est à mes côtés, que tu ne m'oublies jamais et que tu accompagnes. Alors que Seigneur, nous puissions chacun et chacune nourrir cette prière-là, une prière simple, pas une prière extraordinaire, mais au contraire qui est ordinaire et qui s'inscrit dans ce que je vis tous les jours. Pour que nous puissions chacun, chacune, dans cette assemblée, avoir ce cœur pour toi, ce cœur connecté à toi, et que nous puissions, au travers de cette connexion, le partager à tous ceux qui sont autour de nous, d'attirer notre attention vers tous ceux qui ont besoin d'entendre le bien que fait cette connexion avec toi. Alors que Seigneur, tu bénisses cette assemblée, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont envie de pouvoir être pleinement accompagnés par toi. Que tu les bénisses, et c'est non pas par nos mérites que nous te prions, mais par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
Il est temps de reprendre la route, alors recevons la bénédiction de la part du Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, que ton esprit, Seigneur, élargisse l'espace de notre cœur. Que ton esprit ouvre nos cœurs à tous ceux, à toutes celles que nous allons croiser. Que notre cœur devienne, mon Dieu, l'attente de la rencontre. Dans l'attente de ton retour, ravive en nous le feu de ton amour, qu'il porte en nous des fruits de bénédiction pour chacun. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous permettent, comme des sentinelles, de rester en prière tous les jours de notre vie, aujourd'hui, demain et jusqu'à son retour. Au nom de Jésus, amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Bon sabbat à tous. Que Dieu vous bénisse.